Bien, bonjour à tous. Rebonjour ou bonjour, je suis content de vous retrouver après cette longue pause. Ah, je vois que j'ai fait déjà une faute dans ma première slide, j'ai même pu écrire mon nom. Après cette longue pause pour ceux d'entre vous que j'ai déjà vus, je suis heureux de rencontrer les personnes, ceux d'entre vous que j'entends pour la première fois. Je suis un peu grippé malheureusement, alors je vais essayer de faire le mieux que je peux, mais si jamais vous me trouvez profondément ennuyeux, si vous ne m'entendez pas, etc., dites-vous que ce ne sera pas toutes les fois comme ça. À partir de la semaine prochaine, ça ira un petit peu mieux, donc revenez. Je vais vous présenter aujourd'hui ce qu'on va faire en général dans le cours. Je ne rentre pas directement dans les choses ennuyeuses, à savoir les évaluations, etc. Ça, on en parlera un petit peu plus tard. Il n'y a rien de très spécial. Juste une chose pour vous dire que les cours seront toujours enregistrés. En principe, on enregistre tous les cours en philosophie. Et vous avez à chaque fois sur le Moodle du cours le cours qui est déposé dans la semaine. Si vous ne voyez pas le cours arriver,
Vous m'écrivez un peu énervé en disant, vous avez encore oublié de mettre le cours et les diapos. Normalement, d'ici les 2 jours, après le cours, je dois mettre le cours en ligne et les diapos pour que vous puissiez reprendre ça. Le but, c'est que ça vous facilite les choses lors des révisions, que ça vous facilite les choses si vous avez des chevauchements, des contraintes professionnelles, familiales ou autres. Mais évidemment, on vous encourage à être là. Vous ne pouvez pas poser de questions si vous n'êtes pas en cours, vous ne pouvez pas participer, vous ne pouvez pas voir les copains, vous ne pouvez pas aller boire des coups après le cours, aller manger ensemble. Donc, il faut venir au cours. Ça, c'est l'encouragement. Et avant de commencer, je vous présente le beau Robin qui a 2 mots à vous dire au sujet de l'atelier qui va être lié à ce cours. Rebonjour à tous, pour ceux que je connais déjà. Donc, en fait, c'est juste une question et ça va clore. Est-ce qu'il y en a qui n'ont pas suivi l'atelier et qui vont encore le suivre ce semestre? L'histoire Ok. Il y a d'autres personnes qui devraient suivre l'atelier ce semestre-là. Bonjour, vous l'avez déjà suivi avec Oui, mais moi j'ai une question d'ordre. Suivre l'atelier, mais comme auditeur. Oui, vous pouvez venir. Ok, bon, bah, ceux qui doivent suivre l'atelier un semestre, venez me voir après et puis on en discute à la fin de ce cours. Je vous embête pas plus longtemps. Merci Romain. Bien, alors philosophie du langage. Je vais commencer par vous présenter une liste de questions qu'on se pose en philosophie du langage et dans des domaines connexes. Y a-t-il une différence entre la manière dont le langage et les images représentent? Quels sont les différents types de signes? Pensez à la différence entre une peinture, si je fais une peinture de Raphaël, peinture de Raphaël, je voulais dire là-bas, et pas une. Pardon, excusez-moi Thomas. Et parce que j'ai dit peintre, j'ai peinture Raphaël, Raphaël. Attends, alors, imaginez une peinture de Raphaël de Thomas. Donc la peinture de Raphaël de Thomas, elle représente Thomas d'une certaine façon, qui n'est pas la même que la manière dont le mot Thomas représente Thomas. D'accord? Quelle est la différence entre la manière dont les images représentent et dont la manière dont les mots représentent? Qu'est-ce que la vérité? On parle tout le temps de vérité, on parle d'air, post-vérité, etc. Mais qu'est-ce que c'est qu'on appelle la vérité? Qu'est-ce que c'est pour une phrase que d'être vrai? Et on verra qu'il y a plusieurs théories de la vérité. Y a-t-il des expressions signifiantes qui sont plus fondamentales que d'autres? On va en parler aujourd'hui. On va vous parler, et je vais vous parler rapidement des catégorèmes. Donc il y a plein d'expressions dans le langage, d'accord? Est-ce qu'il y en a qui sont plus importantes que d'autres? Il y en a certainement qui sont plus importantes que d'autres. Et il y en a peut-être même qu'on ne peut pas définir. Il y a un certain nombre d'expressions qu'on ne peut pas définir, sans doute que vous avez déjà étudiées ailleurs. Est-ce que vous voyez desquelles je veux parler ici? Des tout petits mots, qui ont l'air de rien, mais qui sont très importants. Personne n'a fait la logique? Un petit peu. Les conjonctions, et ou non. Comment vous voulez apprendre un langage si vous n'avez pas ces petits mots-là? Si vous voulez commencer à apprendre un langage à un enfant, vous pouvez commencer à lui dire maison, chat, etc. Mais il ne va pas pouvoir aller très loin s'il ne maîtrise pas ces petits mots-là. C'est ça? Alors, hein, ça c'est un type de mot très important. Et puis on verra qu'il y en a beaucoup d'autres. Qu'est-ce que le sens, la référence, la signification d'une expression? Vous voyez que quand on parle de langue, on parle de tout un tas de. Prenez un mot, on dit toujours. Ah, cette phrase, elle n'a pas de sens, elle a un sens, elle a une signification, elle n'a pas de signification, elle a une référence, elle représente quelque chose. Comment est-ce qu'on articule toutes ces notions-là? Qu'est-ce qu'on veut dire quand on mentionne ces choses-là? Et vous verrez que les philosophes introduisent encore d'autres termes. Et les linguistes, on parle de valeur sémantique d'une phrase ou d'une expression. Qu'est-ce que c'est que la valeur sémantique d'une phrase ou d'une expression? Comment le langage représente-t-il quelque chose de distinct de lui? A-t-il une intentionnalité intrinsèque ou dérivée? Alors, qu'est-ce qu'on veut dire là? Est-ce que. Si par un grand malheur, il y avait une guerre atomique maintenant, tout disparaît, on meurt tous, et il reste les diapos de secours allumés. C'est la seule chose qui reste sur cette paix. Est-ce que les mots que vous voyez ici représentent encore quelque chose ou pas? Est-ce que la capacité des mots à représenter, elle dépend du fait que ces mots soient interprétés, soient lus par un sujet qui les comprend, ou est-ce que les mots, par eux-mêmes, ils ont une capacité à représenter? Et si les mots dépendent de l'interprétation par un sujet, est-ce que ça veut dire que les mots ne réfèrent qu'à certaines idées qu'on a dans la tête? Vous vous souvenez, pour ceux qui ont suivi le cours sur Descartes, Locke et Leibniz, Locke a une théorie du langage dont on se moque un peu aujourd'hui, mais qui est intéressante. Il dit,
En fait, les mots, ils ne nous parlent pas du monde, ils nous parlent de nos idées. Quand je dis Lisa maintenant, vous pensez tous que je parle de Lisa? Non, en fait, je parle de l'image de Lisa que j'ai dans ma tête. D'accord? Si vous avez cette théorie du langage-là, qui pose un certain nombre de problèmes importants, vous avez au moins une bonne manière d'articuler la psychologie avec le langage. D'accord? Quand je parle de ce que j'ai dans la tête. Alors nous, on a envie de pouvoir dire qu'on parle de ce qu'il y a dans le monde. Mais comment est-ce que ça s'articule avec ce qu'on veut dire, ce qu'on signifie, la manière dont on interprète, dont le sujet comprend les choses? Comment la signification d'une expression émerge-t-elle de ses parties? Ça, c'est ce qu'on appelle la compositionnalité. Et c'est une des choses merveilleuses du langage. Vous avez juste quelques mots, c'est comme les Lego, c'est la même chose, et vous pouvez les remettre dans tout un tas de sens différents et faire des nouvelles phrases. Pas dans n'importe quel sens, évidemment. Il faut qu'il y ait certaines règles de grammaire qui soient suivies, sinon vous avez des expressions qui sont mal formées, c'est pareil en logique, qui est un langage formel, là on s'intéresse nous au langage ordinaire, mais la compositionnalité, ça vous permet, sur la base de la maîtrise de quelques expressions, de former une infinité de phrases, et en particulier des petits mots dont je vous parlais tout à l'heure, si vous avez « et »,« si »,« donc », etc., ces mots-là, ils vous aident énormément à former plein d'autres phrases, d'accord Alors, comment ça marche? Est-ce que la valeur de vérité d'une phrase complexe, elle est toujours fonction, par exemple, de la valeur des vérités des phrases plus simples qui la constituent? On verra que parfois oui, parfois non. Qu'est-ce que le langage? Bon, c'est pas si simple à dire. Hein, ça paraît tout bête, mais c'est quoi un langage? À qui est-ce qu'on attribue un langage? Est-ce que les images contiennent un langage? Nelson Goodman, qui est un philosophe important du XXe siècle, est célèbre pour avoir dit qu'il y avait un langage dans les images, qu'il n'y a pas simplement un langage parlé, qu'on peut écrire ou parler, mais que les images elles-mêmes contiennent différents éléments qui sont articulés par une grammaire et qui ont différentes notions de signification. Comment est-ce qu'on évalue ce genre de proposition? Il faut qu'on ait une notion de langage général. Alors, une fois qu'on est dans le langage, on a tout... Pardon, je vous mets tout un tas de questions dans tous les sens pour essayer de faire le tri après, hein. Une fois qu'on est dans un langage, on a des questions sur les différentes catégories grammaticales du langage dont on va parler aujourd'hui. Qu'est-ce qu'un nom? Qu'est-ce qu'un adjectif? Qu'est-ce qu'une phrase? Qu'est-ce qu'un adverbe? Qu'est-ce qu'un verbe? Etc. Comment est-ce qu'on distingue ça? Si vous êtes comme moi et que vous avez suivi les cours de grammaire à l'école élémentaire, mes filles font ça maintenant, vous êtes sorti avec l'impression que c'est un peu sale tout ça, c'est pas très propre. On fait comme la maîtresse nous dit, on va dire, ok, ça c'est le sujet, ça c'est le verbe, ça c'est le complément, mais il y a plein de fois où c'est pas très net. On sait pas trop pourquoi c'est un adverbe, pourquoi c'est une préposition, etc. La grammaire des grammairiens, c'est une grammaire qui part de l'étude des langages actuels, qui existent, donc qui sont des choses très complexes, qui ont une longue évolution, et c'est très dur de faire de l'ordre là-dedans. Moi, je vais vous proposer tout à l'heure une grammaire qu'on appelle catégorielle, qui est une grammaire comme les philosophes aiment bien la faire, ou comme les linguistes formels aiment bien la faire, qui est une grammaire qui est un peu plus propre. Okay, qui s'applique moins directement au langage, mais qui permet un peu de mieux comprendre ce qu'on entend par un adverbe, ce genre de choses. Qu'est-ce qui distingue la philosophie du langage de la linguistique, de l'étude de la langue? Il y a tout un tas de disciplines qui s'intéressent au langage, de l'histoire du langage, de l'anthropologie du langage, etc. Comment est-ce qu'on distingue ces différentes études scientifiques du langage. Comment la vérité d'une phrase complexe est-elle reliée à la vérité des phrases qu'elle contient? Ben, je vous en ai dit quelques mots à l'instant quand je vous ai parlé de compositionnalité. Le langage a-t-il pour fonction fondamentale de décrire? Que sont les actes de langage? Ça, on en parlera à la fin de ce cours. Il y a eu ce que beaucoup considèrent comme un biais dans l'étude du langage, qui est qu'on a considéré que le langage, sa fonction principale, c'était de décrire le monde. Pourquoi on s'est intéressé à ça? Parce que, en tant que philosophe, en tant que scientifique, on s'intéresse à la vérité, on veut savoir qu'est-ce qu'est le cas, d'accord? Donc évidemment, quand vous lisez un livre de philosophie, un livre de science, la plupart des textes que vous lisez lors de vos études, ce sont des textes qui contiennent des phrases descriptives. Okay? Mais dès que vous sortez de l'université, vous n'entendez presque plus aucune phrase descriptive. Quand vous entendez « à quelle heure on a rendez-vous ce soir, il reste du chocolat, ferme la porte », aucune de ces phrases n'est descriptive. À quelle heure on a rendez-vous ce soir? Vous ne pouvez pas vous demander si c'est vrai ou si c'est faux. D'accord? Ferme la porte. Ah, c'est faux. Ah non, vous voyez bien que ça n'a aucun sens. D'accord? Donc, il y a tout un tas d'utilisations du langage qui ne sont pas des utilisations descriptives. Il y en a tout un champ d'études qu'on appelle la pragmatique qui s'intéresse aux usages du langage descriptif, mais aussi non descriptif. Question importante, le langage est-il propre de l'homme? Les animaux ont-ils des langages? Est-ce que les primates, par exemple, peuvent parler entre eux? Il y a des recherches importantes qui sont menées dans cette université là-dessus. Est-ce qu'on peut attribuer du langage, des langages aux grands singes? Est-ce qu'on peut leur attribuer
la maîtrise d'un certain nombre de règles grammaticales. Est-ce qu'on peut leur attribuer la capacité à former une infinité de phrases, comme nous on sait le faire? Ça, c'est des choses qui sont très étudiées aujourd'hui. Quelles sont les relations entre le langage et la pensée? Ça, c'est une autre grande question, évidemment. J'en ai touché deux mots tout à l'heure. Est-ce que la pensée précède le langage? Est-ce que le langage précède la pensée? Est-ce que le langage influe la manière dont on pense? Hein? Est-ce que les différents termes qu'on utilise nous conduisent à voir la réalité d'une certaine manière plutôt que d'une autre? Structurer la réalité d'une certaine manière plutôt que d'une autre. Pour comprendre une phrase, faut-il comprendre les intentions de son locuteur? Je suis en train de vous parler d'un certain nombre de choses. Est-ce que pour comprendre ce que je suis en train de dire, vous devez vous dire, mais qu'est-ce qu'il veut nous dire? Qu'est-ce qu'il a en tête? Il y a un certain nombre de philosophes qui pensent que oui. On étudiera Grice en fin de cours. Lui pense que une des notions fondamentales dans la compréhension du langage, c'est de pouvoir attribuer des intentions à ceux qui parlent ou à ceux qui écrivent, et d'essayer de retrouver ses intentions. Il y a des mots bizarres qui sortent de la bouche de ce truc en face de moi, il doit vouloir dire quelque chose. C'est comme ça que marche, d'après cette approche générale, l'interprétation du langage. Alors, tout ça, c'est tout un tas de questions en chantier. On va en traiter un certain nombre, et ce que je voudrais faire maintenant, c'est faire un petit peu d'ordre. Dans ces questions, en distinguant trois grands champs d'études du langage qu'on appelle la syntaxe, la sémantique et la pragmatique. Je suivrai cette distinction standard dans le plan de secours. Qu'est-ce qu'on appelle la syntaxe? La syntaxe, c'est ce qu'on appelle vulgairement la grammaire. D'accord? Donc, on étudie la structure du langage. On se demande qu'est-ce qu'il faut pour formuler une expression bien formée dans le langage. On peut en former une infinité, comme je vous disais tout à l'heure. Mais il y a un certain nombre de propositions qui ne sont pas bien formées. D'accord? Si je dis cours et Julie, ça ne marche pas. D'accord? Cette expression, elle ne veut absolument rien dire. Si je dis Julie court, ça marche. Alors qu'est-ce qui fait qu'il y a certaines concaténations de signes linguistiques qui font des expressions bien formées et d'autres pas? Pour ceux d'entre vous qui ont fait de la logique, vous vous souvenez qu'en logique, c'est facile. Pourquoi c'est facile la logique? Vous allez m'arracher les yeux de vous dire ça. Enfin, alors c'est très difficile la logique. Mais c'est bien plus difficile la philosophie du langage. Pourquoi? Parce que la logique, c'est notre bébé à nous, c'est nous qui l'avons fait, d'accord? C'est nous qui définissons. C'est comme les règles du jeu d'échecs. On invente quasiment ex nihilo les règles des expressions bien formées en logique. Donc c'est nous qui définissons la grammaire. On dit dorénavant, à partir de telle expression et P, vous pourrez écrire P et Q, et ça fera une expression bien formée. Et puis vous pourrez rajouter encore une deuxième fois un deuxième et après faire P et Q et P, ça fera toujours une expression bien formée. Vous avez toutes ces règles génératives, récursives, qui vous permettent de définir une expression bien formée en logique. C'est vous qui introduisez les signes, c'est vous qui définissez tout ça, vous faites votre jeu en logique. C'est pas tout à fait vrai ce que je vous dis, parce qu'on essaye en logique d'avoir un langage qui correspond suffisamment au langage ordinaire pour pouvoir en tirer un certain nombre de leçons importantes. Mais toujours est-il que le langage logique, c'est notre bébé, d'accord? Alors peut-être que le bébé, des fois, il fait pas tout à fait, il est un peu compliqué à comprendre, mais au fond, c'est nous qui avons défini ça. Si vous essayez de comprendre les règles de grammaire du langage ordinaire, c'est très différent parce que ces règles-là, c'est pas notre bébé, c'est pas nous qui avons décidé de dire, ah, on va faire les règles du français aujourd'hui. Et puis on dirait que dorénavant, on n'aurait pas le droit de dire que. Non, c'est pas comme ça que ça se passe, d'accord? Donc il faut réussir à trouver ces règles-là et essayer de comprendre le lien entre les règles grammaticales et la signification. Donc ça, c'est le premier niveau d'étude du langage et j'en parlerai peu et j'en parlerai aujourd'hui et après on passera à la chose aux deux domaines qu'on le plus comparativement préoccupé les philosophes, qui sont la sémantique et la pragmatique. Alors, qu'est-ce que c'est que la sémantique? Quand on s'intéresse à la sémantique du langage, on s'intéresse aux relations entre le langage et le monde, en deux mots. Donc, si vous prenez des noms, vous vous demandez comment les noms réfèrent à des choses externes. Si vous prenez des phrases, vous vous demandez typiquement comment les phrases peuvent être vraies ou fausses. Qu'est-ce que c'est que la vérité? Quelles conditions une phrase peut transmettre la vérité dans une déduction, etc. Donc la vérité, la référence, la signification, dès que vous voyez ces mots apparaître, vous êtes dans le domaine de la sémantique. Et puis on a un troisième domaine, dont je vous ai touché deux mots précédemment, qu'on appelle la pragmatique, qui dans l'histoire récente de l'étude du langage est encore plus récente. C'est-à-dire qu'on s'est rendu compte, après avoir étudié de fond en comble la sémantique, qu'il y avait une dimension qui manquait. Et il y a deux choses un petit peu différentes qu'on regroupe sous ce terme pragmatique.
La première chose, c'est que on s'intéresse, lorsqu'on approche le langage sous un angle pragmatique, à ce qu'on appelle le contexte. Il y a un certain nombre d'expressions qui n'ont un sens que dans un certain contexte. Vous voyez quel type d'expression fonctionne comme ça? Sont ironiques. Les expressions ironiques. Alors c'est bien, ça nous aide pour là. Donc c'est vrai. Donc, les expressions ironiques, elles ont deux sens souvent. Elles ont un sens littéral et puis elles ont un sens délégué. C'est vrai que ça relève de la pragmatique. Une des choses qui relève de la pragmatique, c'est d'essayer de décoder ce qui est implicite ou ce qui n'est pas littéralement dit. Hein, souvent, le contenu du langage est beaucoup plus riche que ce qu'on dit littéralement. Ça, c'est un grand champ de recherche qui relève de la pragmatique. Mais est-ce que vous voyez un autre type d'expression qui est étroitement dépendant du contexte? Une phrase par exemple, on se voit là-bas bientôt. On se voit là-bas bientôt. Très bien. Donc là-dedans, vous avez plein d'expressions qui sont qu'on appelle des expressions indexicales. Là-bas. Là-bas, évidemment, si vous dites là-bas quand vous êtes ici, ce n'est pas la même chose que si vous dites là-bas quand vous êtes là. Si vous dites là, enfin, vous voyez bien que c'est pas. Ça dépend de où vous dites là-bas. Bientôt, ça dépend de quand vous le dites. Hein? On, c'est qui on? Ça dépend de qui le dit, etc. Donc vous avez tout un tas d'expressions linguistiques comme ça qui dépendent étroitement du contexte, qui dépendent même, certains disent, essentiellement du contexte. On parle d'indexico-essentiel. Ici, je, tout un tas d'expressions, nous, etc. Donc ça, c'est une des premières choses dont s'occupe la pragmatique, c'est le contexte et décoder ce qui est implicite par rapport à ce qui est littéralement dit. Et puis la deuxième chose que je vous disais tout à l'heure, c'est que en pragmatique, on s'intéresse aussi, c'est un peu un autre aspect de la pragmatique, à ce qu'on appelle les actes de langage. Philosophe célèbre du XXe siècle, qui s'appelait Austin, qu'on étudiera, qui a écrit un livre qui a été traduit en français sous le titre Quand dire, c'est faire, mais l'ouvrage originel, le titre originel, c'était How to do things with words. C'est un ouvrage, c'est un titre qui parodie des livres sur comment faire une table, comment repeindre votre jardin, etc. Puis Austin, il a repris cette série de livres qui existaient en anglais, puis comment faire des choses avec des mots. C'est ça la traduction littérale. Que veut dire Austin? Il dit, bien, les mots, on ne les utilise pas simplement pour une seule fonction, à savoir de décrire, mais on fait tout un tas de choses différentes. Et il s'intéresse en particulier à un type de locution qui le fascine, c'est des locutions qui semblent produire exactement la chose qu'elle réalise. Une histoire de langage magique. Est-ce que vous arrivez à penser à un exemple, ce qu'il appelle des performatifs? Est-ce que vous arrivez à penser à un exemple de quelque chose, d'une phrase qui réalise exactement ce qu'elle décrit? Très bien. Je vous déclare mari et femme, et paf, c'est le cas. Ça, c'est pas de la magie. Vous dites quelque chose, et c'est très. Ouais. Moi, j'ai pensé à Alexa et puis Siri, quoi. Dis Siri. Ouais, on peut dire Siri lance Billie Jean de Michael Jackson et puis Billie Jean de Michael Jackson va se lancer sur notre téléphone. Ouais, c'est bien. Alors, ça vous fait référence à un ordre ici. C'est un peu différent de, enfin, des déclarations dans l'exemple d'Aricia, parce que les déclarations, un des exemples favoris d'Austin, c'est la séance est ouverte. C'est pas que je donne un ordre, je dis pas je vous ordonne d'ouvrir la séance. C'est je le dis et du seul fait que je le dise, paf, c'est vrai. Okay? Et ça marche pour un certain nombre de choses. Okay? Alors malheureusement, ça marche pas pour tout. Il n'existe plus de cancer. Ah non, ça marche pas. Alors ça, c'est dommage. Mais il y a un certain nombre de choses dans la réalité institutionnelle, sociale, qui fait que on peut créer ces choses-là juste en les énonçant. Et ça, c'est un autre point important de l'étude de la pragmatique. Alors, ces trois, on accepte très largement dans le champ d'études linguistiques et de philosophie du langage de distinguer ces trois domaines d'études, mais comme vous vous en doutez, il va y avoir des relations étroites entre les deux. Hein? La référence d'une expression, elle va dépendre du contexte, mais la référence d'une expression, elle va aussi dépendre de son statut grammatical. Et puis le statut grammatical d'une expression, elle va aussi dépendre de ce que signifie l'expression. Donc, on a envie de faire ces distinctions-là, peut-être, c'est la grammaire, la sémantique, la pragmatique. Mais il y a une interdépendance étroite entre ces trois domaines. Néanmoins, on va reprendre ça ici et on va, si on repense à nos trois questions, à nos trois questions, à nos 18 questions précédentes, eh ben, vous voyez, j'adore mon animation, vous voyez que elle tombe pour certaines d'entre elles à peu près clairement dans
un certain nombre de ces trois catégories. La syntaxe, y a-t-il des expressions signifiantes plus fondamentales que d'autres? Qu'est-ce qu'un nom, qu'un adjectif? Ça, sont des expressions clairement sémantiques. Y a-t-il une différence entre la manière dont le langage et les images représentent? Qu'est-ce que la vérité? Qu'est-ce que le sens, la référence d'une expression? Comment la vérité d'une phrase dépend-elle de la vérité des phrases plus simples qu'elle contient? Ça, on est dans la sémantique ici. Pragmatique, pour comprendre une phrase, faut-il comprendre les intentions de ce locuteur? Le langage a-t-il pour fonction fondamentale de décrire? Hein? Donc vous avez un grand nombre de ces questions qui tombent dans un de ces trois champs. Vous avez des questions qui tombent dans des champs plutôt intermédiaires. Comment la signification d'une expression émerge-t-elle de ses parties? La compositionnalité, pour comprendre ça, il faut à la fois jouer avec la syntaxe, avec des éléments de syntaxe et de sémantique. Comment le langage représente-t-il quelque chose de distinct de lui? Et bien là, on va s'intéresser à la sémantique, mais aussi à la pragmatique, à savoir est-ce qu'il faut une interprétation du langage. Et puis vous avez des questions beaucoup plus générales qui concernent ces trois champs. Qu'est-ce que le langage? Le langage est-il le propre de l'homme? Quelles sont les relations entre le langage et la pensée qui nécessitent, pour y répondre, de faire le lien entre ces trois domaines. Donc voilà pour une tentative un peu rapide de vous donner, pas un aperçu du domaine, mais de voir comment un peu on organise les différentes questions au sujet du langage. Je vous ai mis ici quelques grands noms que vous reverrez passer ici, des philosophes, exclusivement, même si Chomsky est aussi considéré comme un linguiste. Donc, c'est juste pour que vous les voyez, enfin, ça n'a pas d'intérêt que je vous les lise maintenant. On y reverra, on y reviendra plus en détail. Donc, voilà le plan que je voudrais suivre dans ce cours qui est sujet à un certain nombre de modifications. Donc, je voudrais pour commencer vous présenter quelques distinctions qui vont être utiles tout au long du cours. En particulier, on va passer un petit peu de temps aujourd'hui sur la distinction usage-mention. Ce que j'aimerais qu'on fasse encore dans la séance aujourd'hui, c'est ce que j'ai prévu de faire. Si on peut aller plus loin, on ira plus loin. De vous présenter quelques éléments de syntaxe, en particulier de grammaire catégorielle. On s'intéressera ensuite à la sémantique et puis à la pragmatique. Je ne rentre pas dans les détails du plan ici, je le mets pour que vous puissiez le consulter, mais je vous propose qu'on commence d'emblée par certaines distinctions préliminaires. Alors, une distinction qu'on utilise et qui est largement admise, même si comme toujours, elle pose aussi des problèmes, c'est la distinction entre les phrases et des propositions. Donc, si vous considérez cette phrase ici, Julie mange du chocolat, une autre phrase en anglais cette fois, Julie hits chocolate, et une phrase en allemand, Julie isst chocolade. Il n'y a pas besoin d'être un grand polyglotte pour se rendre compte que ces trois phrases, elles ont quelque chose en commun. D'accord? Si vous devez traduire chacune de ces phrases dans une autre langue, en général, vous allez utiliser ça. L'idée qu'on admet en général, c'est que les phrases, elles sont liées à une langue particulière, mais que des phrases, différentes phrases, peuvent exprimer la même proposition ici. D'accord? Donc, qu'est-ce qui fait que ces phrases peuvent être traduites les unes dans les autres, c'est que ces différentes phrases expriment une seule proposition. Que nous, on exprime en français en disant Julie mange du chocolat, que les Allemands expriment en disant Julie isst chocolade, etc. Quelle est la relation entre les phrases et les propositions? On dit en général qu'une phrase exprime une proposition. La proposition qu'exprime une phrase, elle est appelée la signification de la phrase en question. Donc différentes phrases peuvent avoir la même signification. C'est ce qui se passe entre les trois phrases-là. Okay? Vous avez trois phrases dans différentes langues qui ont la même signification. Mais vous pouvez aussi avoir différentes phrases dans une même langue qui ont la même signification. Si je dis Julie n'aime pas les célibataires et si je dis Julie n'aime pas les hommes non mariés, c'est différentes phrases en français qui ont la même signification. D'accord? Donc, la notion de proposition, elle vous aide à comprendre la traduction, mais vous aide aussi à comprendre la notion de synonymie, d'accord? Entre différentes phrases d'un même langage. Vous voyez qu'une proposition, c'est, dans un sens, on sent qu'on en a besoin, mais en un sens, c'est difficile de mettre le doigt sur qu'est-ce que c'est exactement, parce que vous ne pouvez pas l'exprimer dans une langue particulière. Si vous faites exprimer une proposition, enfin, vous pouvez l'exprimer dans une langue particulière, mais vous ne pouvez pas l'identifier à une phrase dans une langue particulière, parce que si vous faites ça, vous perdez le rôle des propositions
comme faisant le lien entre ces différentes phrases. Alors ça a été un sujet. Je vous présente ça ici sans rentrer dans les débats sur lesquels on reviendra. Si vous êtes un Frege, hein, on va voir que Frege, c'est un des philosophes du langage centraux, pour lui, il n'y a aucun problème à avoir des propositions en plus des phrases. Hein, Frege a souscrit à une forme de platonisme où il pense qu'il y a des phrases qui sont des choses qui sont prononcées ou écrites à certains endroits, à certains moments. Ce que vous entendez sortir de ma bouche maintenant, ce que vous écrivez sur vos prises de notes, ces phrases-là, elles expriment des propositions. Où sont ces propositions? Dans un troisième règne platonicien, okay, qui flotte là-haut. Okay. Et puis on a un accès à ce troisième règne, on peut saisir ces propositions, ces concepts aussi, et c'est ça qui nous permet de comprendre les phrases. Vous voyez bien que quand vous dites ça, on voit l'utilité de dire tout ça, mais vous imaginez bien qu'il y a un certain nombre de philosophes qui sont épris d'économie ontologique d'une part, et qui d'autre part doutent qu'on puisse avoir tellement d'autres modes de connaissance que la perception. Ouais, vous rappelez les empiristes, et bien justement, nos bons vieux empiristes, ça va, comme Quine typiquement, ça va être des philosophes, Quine c'est aussi un philosophe du XXe siècle, marqué par l'empirisme, ça va être des philosophes qui vont essayer de se débarrasser des propositions, des choses abstraites que je suis en train de vous parler là. Non, non, en fait, il n'y a que des phrases, la traduction c'est juste entre des phrases, il ne faut pas postuler d'entité abstraite supplémentaire. Donc, pardon, j'ai ouvert une parenthèse que je n'avais pas forcément besoin d'ouvrir, mais le point ici, c'est juste de vous dire. C'est pratique de parler des propositions comme distinctes des phrases, mais gardez en tête que ça va avoir un coût. Okay? Ça va avoir un coût qui va faire que certains philosophes vont essayer de se passer de ces notions de propositions. Mettez-vous. Moi, la question que je voudrais, c'est quelle est la différence entre la linguistique et la philosophie du langage? Il y a beaucoup de points de chevauchement où c'est difficile de vous donner une réponse simple parce que ça dépend beaucoup des différentes questions qui sont traitées. Mais c'est sans doute un des domaines là, où l'influence de la philosophie sur la linguistique, sur les sciences empiriques a été les plus nettes. C'est pas le seul, mais typiquement les auteurs dont on va parler par exemple. Tous les grands auteurs, tous les grands philosophes dont on va parler ici, que ce soit Frege, que ce soit Russell, que ce soit Donnellan, que ce soit Grice en pragmatique, que ce soit Searle en pragmatique, c'est des gens qui ont forgé des outils conceptuels qui ont eu un impact considérable sur l'étude empirique du langage. Donc dans notre université, ici, on a beaucoup de collègues qui travaillent en pragmatique, donc décoder l'implicite du langage. Et là, comment s'est passée l'articulation? Je peux vous donner que des exemples en réponse, en fait. Enfin, peut-être il y a sans doute une meilleure réponse, mais je soupçonne qu'elle sera une trop grande généralisation. Vous avez Grice, on étudiera ça dans un troisième temps du cours, qui a proposé une méthode très intéressante pour interpréter l'implicite dans ce que dit quelqu'un. Et sa méthode, elle est toute simple, au fond. On peut la présenter de manière assez simple. Elle dit. Vous avez un principe de charité. Si quelqu'un vous dit quelque chose qui, a priori et littéralement, n'est pas pertinent, c'est qu'il doit vouloir dire autre chose. Okay? Donc vous enclenchez un certain nombre de ce que Grice va appeler des implicatures conversationnelles, et ça va vous permettre de savoir ce que veut dire vraiment la personne. Si je vous dis... C'est quoi les exemples de Grice? Est-ce que vous pouvez me donner l'heure? Directement, vous savez bien que je ne suis pas en train de vous poser une question sur vos capacités. Okay? C'est la blague. Elles n'arrêtent pas de faire ça, mes filles, ça me saoule. Oui, je peux. Hein, ça passe, ça fait 10 fois qu'il a fait. Donc, non, c'est pas le. Donc, vous devez présupposer que votre interlocuteur respecte un certain nombre de règles, ce que Grice appelle des maximes conversationnelles. On reviendra sur les différentes maximes que propose Grice. Ça, c'est ce qu'a proposé Grice d'une manière très générale. Donc, c'est un philosophe dans un article célèbre. Et sur la base de ça, vous avez un grand nombre de linguistes et d'anthropologues qui ont développé ça et qui ont appliqué ces concepts-là, qui les ont parfois révisés, qui ont modifié, mais là, qui ont gardé la trame générale pour étudier comment marchent différents types d'implicatures conversationnelles en contexte et qui étudient ça maintenant. Donc, vous avez notamment les collègues.
Louis de Saussure et Diana Mazzarella, qui travaillent sur ces choses-là et qui utilisent exactement, donc en linguistique, et qui utilisent en linguistique des outils qui ont été forgés par les philosophes ici. Donc c'est au moins un type d'interaction que vous avez là. Hein. Donc les philosophes donnent quelque chose d'un peu une trame générale, mais qui permettent après de développer des études plus spécifiques. Oui. Du coup, ça me posait la question par rapport au cours de métaphysique de l'année passée. Vous avez parlé de la théorie constitutionnelle de l'existence entre Hegel et Rousseau. Est-ce qu'on peut dire que c'est une part de philosophie du langage ou pas? C'est un très touchant le sujet. Non, La alors possibilité d'utiliser le terme existence comme tel. on va revenir sur le, on va revenir sur ça, sur la théorie quantificationnelle. Donc là, la question, c'est la question entre la relation de la philosophie du langage et la métaphysique. La métaphysique, donc, pour ceux qui étaient pas là, la métaphysique, c'est la partie de la philosophie qui s'occupe de savoir qu'est-ce qui existe et qu'est-ce que c'est qui existe, quelle est la nature et l'existence des choses. Et il y a des liens, évidemment, entre la philosophie du langage et la métaphysique. Vous avez un lien qui est souvent utilisé, qui est de dire, là encore, je vous réponds juste par un exemple, parce que je ne peux pas répondre, la question est trop large pour que une réponse générale soit plausible. Mais vous avez un exemple intéressant, un cas très, très typique des liens entre les deux, qui est basé sur notamment les travaux de Quine, qui consiste à dire, il y a un engagement ontologique qui vient du langage à partir du moment où on a des expressions référentielles. Les expressions référentielles, c'est typiquement des noms. Des noms comme Thomas. Okay. Thomas, ça c'est un nom. Ah, ça attrape quelqu'un. Okay. Donc, il existe quelque chose qui satisfait le nom qui est la référence de Thomas. Bon, c'est un nom propre, mais ça marche aussi pour d'autres formes d'expression nominale. Mais Quine dit, si certaines choses sont des prédicats, les prédicats, eux, ne réfèrent pas à quelque chose dans la réalité. Donc, notre seul engagement ontologique, il vient des expressions nominales. Ça réfère. Mais si je dis Thomas Hébrun, le Hébrun, ce n'est pas quelque chose qui réfère. Donc, il n'y a pas besoin de faire de métaphysique de Hébrun. D'accord? La seule métaphysique, c'est Thomas, donc Thomas Hébrun. C'est la seule chose qui est désignée ici. Le prédicat lui-même ne doit pas être compris comme parlant de quelque chose dans le monde. Alors ça a fait, si vous vous souvenez du cours de métaphysique, c'est quelque chose qui a fait couler beaucoup d'encre. Parce qu'évidemment, si vous êtes du côté des réalistes des universaux, si vous êtes du côté d'Armstrong, mais aussi si vous êtes du côté des réalistes des tropes, etc., vous pensez que les prédicats, ils ont un impact très sérieux sur qu'est-ce qu'il y a dans le monde. Okay? Mais vous avez cette vision qu'on appelle parfois nominalisme de l'autruche, qui dit non, moi j'ai juste mes noms, et puis en dehors des noms, me faites pas croire qu'il y a besoin de postuler autre chose dans la réalité. Alors ça, c'est un des liens entre la philosophie du langage et la métaphysique. Et juste pour clore là-dessus, vous avez une manière d'utiliser. Si vous suivez Quine et vous pensez que les prédicats n'impliquent pas d'éléments nouveaux dans le monde, vous pouvez utiliser une stratégie qui vous permet de vous débarrasser d'un certain nombre de choses compliquées en les transformant en prédicats. Donc, vous avez un nom qui est les trous. Les trous, c'est embêtant en métaphysique. C'est très embêtant, les trous en métaphysique. Parce que d'un côté, c'est rien du tout. Puis de l'autre côté, un trou, ça peut tuer, quoi. Donc, comment quelque chose de rien, comment vous pouvez tomber dans un truc qui vous tue si ça n'existe pas les trous. On ne sait pas trop quoi faire des trous. Une solution à la Quine, c'est dire non, il faut arrêter avec les trous et utiliser ça comme un nom. Tout ce qu'il faut dire, c'est utiliser le prédicat étroué. Donc, il faut arrêter de parler, de dire il y a un trou dans le jardin, il faut dire le jardin est troué. Et troué, c'est bon, c'est un prédicat. Tout ce qu'il y a, c'est un jardin. Et voilà, il est vrai de dire du jardin qu'il est troué, mais il n'y a pas de trou dans le jardin. Voilà un peu le genre de jeu que font ceux qui pensent que les prédicats sont innocents métaphysiquement. Donc, c'est un exemple de lien entre la philosophie du langage et la métaphysique, mais il y en a beaucoup d'autres. Bien, alors, phrase, proposition. On fait des bêtises à Cambrai. Là, je vous ai donné des exemples de phrases. Vous avez plusieurs phrases pour une proposition. Mais parfois, vous avez une phrase et plusieurs propositions. Hein? On fait des bêtises à Cambrai. Vous savez ce que c'est, des bêtises de Cambrai? Oui, c'est les bonbons qu'on fait à Cambrai. Okay? C'est très bon, les bêtises de Cambrai. Okay? Donc, on fait des bêtises à Cambrai. La phrase en question, elle peut vouloir dire ça. Okay? On fait ces petits bonbons à Cambrai.
ou elle peut vouloir dire ben, qu'on fait des bêtises à Cambrai. D'accord? Donc, parfois, vous avez besoin de la notion de proposition pour désambiguiser une phrase. D'accord? Pour dire, ah, en fait, on a une seule phrase, mais cette phrase, elle est ambiguë, elle peut référer à différentes propositions. Okay? Vous voyez qu'il y a une dissociation. Parfois, vous avez plusieurs phrases pour une proposition. Parfois, vous avez une même phrase pour plusieurs propositions. Dans le cas où vous avez plusieurs phrases pour une même proposition, ça vous donne des exemples de traduction ou de synonymie. Dans le cas où vous avez plusieurs propositions pour une même phrase, ça vous donne des exemples d'ambiguïté ou d'ambivalence. Et les propositions vous aident à désambiguiser certaines phrases. Oui, Jean. Pourquoi, c'est peut-être un peu bête mon question, pourquoi du coup on dit proposition et pas juste signification? Enfin, c'est interchangeable comme terme, c'est ça que je veux dire. On dit que la proposition est la signification d'une phrase. Ce que signifie une phrase, c'est une proposition. Mais on veut garder la notion de signification de manière. On veut la garder plus large. On veut pouvoir dire que ce que signifient certains termes, et pas des phrases, ce sont des concepts, que ce que signifient certains noms, ce sont. D'après certaines des choses dans le monde, etc. Donc, on veut. Oui, signification, c'est plus large. Il y a plusieurs types d'expressions linguistiques qui ont des significations. Et la signification d'une phrase, c'est la proposition. Ça va? Ok, alors, quelle heure il est? Alors, maintenant, une distinction. Vous avez déjà peut-être parlé, sans doute parlé déjà de ça en logique. Vous avez fait, qui c'est qui a déjà, qui connaît cette distinction usage-mention? Ça vous dit rien du tout? Oui. Donc, je vais vous casser un peu la tête avec ça, mais c'est crucial de l'avoir en tête quand on parle du langage. Parce qu'on fait très souvent des erreurs là-dessus. Alors, Julie est jolie. Julie est un joli prénom. Vous voyez qu'il y a deux choses différentes qui se passent dans ces deux phrases. Dans un, on dit que le nom Julie, il est utilisé. Donc c'est l'usage ici. Vous utilisez Julie. Vous n'êtes pas en train de parler du nom de Julie, d'accord? Vous êtes en train d'utiliser le nom Julie. Qu'est-ce que vous faites avec ce nom-là? Ben, vous référez à la personne Julie pour dire de cette personne qu'elle est jolie. Dans deux, en revanche, le nom Julie, il n'est pas utilisé. Il est ce qu'on appelle mentionné. Vous parlez du nom de Julie et pas de la personne Julie. D'accord? Donc vous mentionnez le nom ici. Dans 1, vous utilisez le nom Julie pour mentionner la personne Julie. Dans 2, vous mentionnez le nom Julie. Alors, ce n'est pas très propre en français quand on écrit ça comme ça. Et ce qu'on a pris l'habitude de faire, en particulier sous l'influence des logiciens, c'est de mettre des guillemets pour bien marquer la différence. Si vous mettez des guillemets, vous utilisez pas de guillemets pour dire Julie est jolie, mais vous allez dire Julie, entre guillemets, est un joli prénom. Qu'est-ce que font les guillemets? Les guillemets, ils transforment l'expression qui est intérieure à l'intérieur des guillemets en un nom de cette expression. Donc, Julie, entre guillemets, tout ça, c'est un nom pour cette expression-là, Julie. D'accord? Donc, dès que vous avez des guillemets, vous êtes en train de parler de ce qu'il y a à l'intérieur des guillemets, à savoir un mot. D'accord? Vous êtes dans ce qu'on appelle le métalangage. Vous êtes dans un niveau de langage où vous parlez du langage. C'est relativement rare, mais pas si rare, de parler du langage. En général, on utilise le langage pour parler du monde ou des choses qu'il y a autour de nous. Mais ça nous arrive de parler du langage, et pas simplement en philosophie du langage, d'accord? On peut se demander si, tel, quand vous vous demandez, ah ben, comment on va l'appeler notre futur fils, là, vous êtes en train de parler du langage, d'accord? Typiquement, ah, on a un groupe de musique, comment on va s'appeler? Ben, vous êtes en train de parler du langage. Certains disent que quand vous parlez de vérité, vous parlez toujours du langage, parce que ce que vous dites. Quand vous dites que quelque chose est vrai, vous dites toujours qu'une phrase est vraie. Donc que le prédicat est vrai, on y reviendra. C'est toujours un prédicat métalinguistique. Alors c'est très important, mais c'est. Oubliez le point sur la vérité pour l'instant. C'est très important d'être très au clair sur est-ce qu'on est en train d'utiliser un mot ou est-ce qu'on est en train de parler de ce mot. Ça, c'est la distinction entre l'usage et la mention.
D'accord? Quand vous voulez, et à partir d'aujourd'hui, on introduit une règle qui n'est pas tout à fait suivie dans le langage ordinaire, mais qui va nous aider à pas nous prendre les pieds dans le tapis. Quand on parle d'un mot ou quand on parle d'une phrase, on utilise des guillemets. Les guillemets dans le langage ordinaire, ils n'utilisent pas que pour ça. D'accord? Si vous dites elle était trop sympa, voilà, ce n'est pas des guillemets que vous utilisez pour faire ça. D'accord? Il y a plein d'usages des guillemets pour dire c'est une manière de parler ou je ne sais pas quoi. Mais à partir de maintenant, nous, on fait l'utilisation des guillemets pour transformer une expression en un nom de cette expression. Okay? Donc Julie, entre guillemets, c'est le nom de Julie à l'intérieur. Vous auriez pu faire plein de choses. Vous auriez pu, si vous voulez parler du nom Julie, vous aviez plein d'autres solutions. Vous auriez pu dire dorénavant, le nom Julie, on l'appelle Jean-Claude. Ça n'aurait pas été très simple à comprendre, mais vous auriez très bien pu dire, à ce moment-là, Jean-Claude est un joli prénom. Okay? C'était d'accord. Parce que Jean-Claude, ça réfère à quoi dans la proposition maintenant? Ça réfère à Julie, le nom, et pas à la personne. D'accord? Donc ça aurait été. C'est pas très élégant, c'est un peu compliqué, puis ça a un certain nombre de désavantages. C'est plus transparent d'utiliser des guillemets. Un autre avantage des guillemets, c'est que vous pouvez faire des noms de noms avec les guillemets. C'est-à-dire, vous pouvez dire maintenant, je vous parlais de l'expression Julie entre guillemets, vous pouvez remettre une deuxième fois des guillemets autour. Hein, des guillemets, c'est itératif, on va voir quelques exemples dans un instant. Donc, la phrase 3, elle utilise le mot Julie. OK? Et elle mentionne la personne Julie. Qu'est-ce que fait la phrase 4? Elle utilise, et là vous voyez, j'ai utilisé le double guillemet, elle utilise le nom Julie, entre guillemets, et elle mentionne le mot Julie. D'accord? Donc ça, c'est la distinction entre l'usage et la mention. Alors, on va faire une petite série d'exercices. Avant la pause, vous allez voir que c'est peut-être simple en apparence, mais on se prend vite les pieds dans le tapis. Le chocolat est composé de cacao, de sucre et de beurre de cacao. Est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est faux? C'est pas une question culinaire, hein, c'est une question de. C'est vrai. Bien. Le chocolat est composé de cacao, du sucre et de beurre de cacao. C'est vrai ou c'est faux? Bien. Le chocolat est composé de 10 lettres et d'un espace. C'est vrai ou c'est faux? Bien. Le chocolat est composé de 10 lettres et d'un espace. C'est vrai. Ouais, je n'ai pas fait de piège sur le nombre de lettres. Eh non, c'était 9 lettres. Ah, plus compliqué. La Chartreuse de Parme est un roman de Stendhal. C'est faux. Hein? Donc, ce qui est un roman de Stendhal, c'est La Chartreuse de Parme sans les guillemets. Alors, on a une autre convention, c'est d'écrire les titres de romans en italique. Mais vous voyez bien que le roman de Stendhal, ce n'est pas le nom d'un titre, d'accord? Il n'a pas écrit le nom d'un titre, Stendhal. Il a écrit tout un roman. Donc, les noix riment avec les pois. Oh, il faudrait mettre des guillemets, les noix, les pois. La femme de Paul l'appelle Mamour. Ouais, en supposant quoi. La femme de Jean-Claude l'appelle Jean-Claude. Ça, c'est faux. Vous voyez pourquoi c'est faux? Il faudrait dire l'appelle Jean-Claude entre guillemets. Hein? Vous ne pouvez pas appeler quelqu'un, vous ne pouvez pas utiliser une personne comme un nom. D'accord? Gâteau au yaourt contient un G, un Y et des guillemets, mais pas de yaourt. Pourquoi c'est faux? Il n'y a pas de guillemets. Hein? Le gâteau yaourt, ça parle que de l'expression qu'il y a dans les guillemets. Okay? Donc il n'y a pas de guillemets ici dont parle l'expression. Ça va? Vous dites hein, si ça ne va pas. Ça ne va pas. Gâteau ou yaourt. Donc il y a des guillemets, on est en train de parler d'une expression. Hein? On est dans le métalangage. On est en train de parler de ce qu'il y a là. Est-ce que gâteau ou yaourt contient un G? Oui, ça contient un G. Est-ce que ça contient un Y? Oui, ça contient un Y. Est-ce que ça contient des guillemets? Non, les guillemets, ils ne font pas partie de l'expression. Hein? L'expression, elle est que au milieu. D'accord? Le lac de Neuchâtel est le plus grand lac entièrement en Suisse, mentionne le même lac. Bien. Le lac de Neuchâtel est le plus grand lac entièrement en Suisse. C'est faux, ça. Vous voyez pourquoi?
C'est faux, pourquoi? Parce qu'on est juste en train de parler de noms ici. Et c'est évident que ce n'est pas les mêmes, c'est pas les mêmes signes de lettres. Hein, d'accord? Le lac de Neuchâtel, c'est composé de ces lettres-là. Le plus grand lac entièrement en Suisse, c'est composé de ces lettres-là. C'est deux expressions linguistiques différentes. Hein, d'accord? Berne n'est pas la capitale de la Suisse. C'est vrai. Berne, ce n'est pas un nom. Hein, c'est une ville. A est la première lettre de l'alphabet. Ouais. A est le nom de la première lettre de l'alphabet. A est le nom de la première lettre de l'alphabet. Ça se réfère au nom de la première lettre de l'alphabet. Ça n'est pas en soi. Non, alors, A, c'est la première lettre de l'alphabet. Hein? A, c'est pas un nom de lettre, c'est une lettre. Okay? Donc, A, c'est pas un nom de lettre. Par contre, si vous dites A est le nom de la première lettre de l'alphabet, double guillemets, là, ça commence à marcher. C'est Vous voyez pas? Donc, A entre guillemets, on parle de ce qu'il y a dans les guillemets. On parle du A, on parle d'une lettre. D'accord? Donc, cette lettre-là que je montre, c'est bien la première lettre de l'alphabet. On est dans le métalangage, on est en train de parler des lettres. Hein? Donc, c'est OK. Donc, ça, c'est la première lettre de l'alphabet. Maintenant, si je vous dis, est-ce que cette lettre-là, c'est le nom de la première lettre de l'alphabet? Ben non, on a bien vu que c'était la première lettre de l'alphabet. C'est pas le nom d'elle-même, cette lettre. D'accord? Alors, si je veux parler du nom de la première lettre de l'alphabet, maintenant, je suis obligé de mettre A entre guillemets. Je veux parler du nom de la première lettre. Hein? Donc, il faut que je mette deux guillemets. C'est un nom de nom, ici. Ouais. C'est possible de parler de A sans guillemets. Ça serait possible de parler de A sans guillemets. Non. Ok, d'accord. Attendez, je réfléchis. Elle n'aime pas. Ah, non. Sauf si A, c'est un prénom. Quelqu'un, quoi, mais. Non, non. A, c'est une entité linguistique ici. J'essayais de voir s'il y a autre chose qu'une entité linguistique. A, ça peut être le nom d'un métal ou je ne sais pas quoi. Mais si on parle juste de la. Par convention, hein, on a décidé qu'à chaque fois qu'on parlait de quelque chose de linguistique, on mettait des guillemets autour. Forcément, le A, il aura des guillemets ici. Oui? C'est le même lac parce que c'est le mot lac ou c'est vraiment le lac qui est dehors? Non, non, c'est vraiment le lac qui est dehors. Hein? Donc là, on est en train de dire ces expressions-là. Hein, on est monté dans le métalangage. On dit ces expressions-là. On ne les utilise pas, on en parle. Et on dit ces expressions, à quoi elles réfèrent? Qu'est-ce qu'elles mentionnent? Hein? Mentionner par rapport à utiliser. Qu'est-ce qu'elles mentionnent? Le lac de Neuchâtel, ça mentionne ce truc-là. Le plus grand lac entièrement en Suisse, ça mentionne ce truc-là. Ah ben, c'est le même. D'accord? Hein? Donc on est vraiment en train de. Vous voyez, ce n'est pas parce que vous passez dans le métalangage. Si vous dites que. Un mot réfère à une chose, vous êtes dans le métalangage parce que vous parlez du mot, mais vous dites que ce mot, il réfère à une chose à l'extérieur. Et là, c'est ce qu'on est en train de faire ici. Hein? Tandis que si j'utilise simplement le mot le lac de Neuchâtel, je ne suis pas en train de parler de l'expression linguistique, mais je parle effectivement directement de la chose à l'extérieur. Hein? Je parle de la relation entre l'expression et la chose extérieure. Ouais. Sur les dernières fois, je ne suis pas sûr d'avoir compris. Le fait qu'il y a quatre guillemets, ça dépend du fait qu'on a déjà cité A est la première lettre de l'alphabet. Par exemple, si je mettais jusqu'au début A est le nom de la première lettre de l'alphabet sans savoir que A est la première lettre, j'aurais toujours mis les quatre guillemets. J'ai pas compris votre question, pardon. Je ne suis pas sûr d'avoir compris si le fait qu'on met quatre guillemets dans la dernière phrase, Ouais. ça dépend du fait qu'on a déjà cité Avant, la. en principe, ça dépend pas. Là, ça dépend dans l'ordre de compréhension. C'est pour ça que j'ai mis ça dans cet ordre, pour qu'on comprenne. Parce que si je vous avais dit tout de suite A est le nom de la première lettre de l'alphabet, on n'aurait pas bien compris pourquoi. Okay? Donc, pour comprendre pourquoi il faut les doubles guillemets, faut voir que quand on a des simples guillemets, on parle juste de la lettre et pas du nom de la lettre. Okay? Mais donc la réponse, c'est pour comprendre, il faut mieux passer par ces étapes-là. Mais en principe, vous auriez pu commencer directement par là, parce que le nom d'une lettre, ce sera forcément un nom de nom ici. Ok. Ça va? Très bien. Dans la première phrase, A est la première lettre de l'alphabet. Si on s'intéresse à la partie la première lettre de l'alphabet,
En fait, elle ne peut pas référer à ça, parce que quelque chose du métalangage, c'est forcément quelque chose de. Enfin, c'est Absolument. forcément un terme, c'est déjà un Oui, terme. on parle du langage quand on parle de l'alphabet. Voilà, c'est ça. Ouais, exactement, Ok. exactement. Pardon si je ne l'ai pas dit clairement, c'est exactement ça. Si vous parlez de l'alphabet, vous parlez du langage. Hein, c'est aussi enfin, d'un des éléments centraux du langage. Hein. Donc vous n'êtes pas en train de parler du monde, si on fait cette distinction entre le langage et le monde. Hein. Donc dès qu'on parle du langage, on met des guillemets. Ça c'est la règle tacite. Jean-Ri est un nom de phrase. C'est pénible les doubles guillemets. Hein. C'est vrai. Vous avez double guillemets ici. Hein. Donc, Jean-Ri, hein, on parle de tout ça. Ça parle de ce qu'il y a donc à l'intérieur. Ça, c'est bien un nom de phrase. Jean-Ri, entre guillemets. Jean-Ri, c'est la phrase. Vous mettez des guillemets, c'est un nom de phrase. Vous mettez double guillemets, ben, vous êtes en train de parler du nom de phrase. Hein. D'accord? Bon, c'est pas. Jean-Ri est une phrase. Oui, c'est vrai aussi. D'accord? J'aurais dû le mettre dans l'autre sens pour que ce soit plus. Mais ça, vous voyez bien que c'est une phrase, Jean-Ri. Okay? Si vous mettez double guillemets, vous avez un nom de phrase. Alors, vous aurez jamais. Vous effrayez pas, ça ne va pas être crucial de maîtriser les doubles guillemets pour la suite. Mais c'est juste. Ce qui est crucial, par contre, c'est de bien faire la distinction entre utiliser un terme et parler de ce terme. Entre l'usage du terme et la mention du terme. Hein? Et ça va être, ça va être quelque chose de très important pour la suite. Je vais passer ça. Eh ben, on fait une petite pause de 10 minutes et on reprend à 11h16. C'est pas par rapport au cours, c'est par rapport à mon pilier en fait. Parce que Dites-moi. le problème, c'est que le latin, j'ai fait 5 crédits. Ouais. Et puis, du coup, après, à la fin, ça va faire un crédit de moins que ce qu'il faut. Il manque un crédit, c'est ça? Ouais, à la fin, il va manquer. Mais j'ai. Parce que je fais le pilier en 60, mais j'ai validé un cours dans le dernier, dans le bloc. Dans le bloc 8. Il y a un cours du bloc 8 que j'ai validé, alors je ne sais pas si on pourrait le prendre en considération pour Comment... compenser le manque de crédit. Écoutez, en principe, mais comment ça se fait que le latin, ça fasse que 5 crédits? Mais parce que c'était dans l'ancien plan, et parce Ah qu'il faisait oui. 10, puis j'ai deux piliers où il y a, donc. Alors, normalement, ces équivalences, ça marche. On avait fait un tableau d'équivalence comme ça. Parce que, ah oui, vous êtes encore dans l'ancien plan de trucs de l'homme. Après, je suis dans le nouveau plan, mais j'ai juste le latin que j'ai validé dans l'ancien plan. Et du coup, à la fin, ça fait 59 crédits au lieu de 60. Alors, il C'est faut que ça. vous demandiez au secrétariat, parce que Ouais. maintenant, le latin, il fait 6 crédits. Maintenant, il fait 6, ouais. Donc, en principe, vous n'avez même pas besoin de faire un transfert de crédit. Vos 5 crédits, il y avait des équivalences qui les augmentaient directement à 6 crédits, parce que c'était reconnu comme ça dans le nouveau plan. Mais peut-être faut que vous demandiez au secrétariat de dire que... Mais avant, il faisait 10, il faisait pas 6. Avant, il faisait 10. Mais comme j'avais deux piliers avec le latin, j'ai fait 5 et 5. En fait, bateau, il devrait être à 3 selon le nouveau Voilà. plan. Maintenant, il devrait être à. Oh. Donc dans le nouveau plan, vous avez 3 crédits, donc il vous en manque 3 des crédits du coup. Non, il en manquera un à la fin du bachelor. Mais oui, bien sûr. J'avais là dans. Si vous utilisez les équivalences, ça fait qu'il vous manque 3 à ce moment-là. Moi, je sais pas, Lolan, ça m'a paumé depuis le début. C'est pour ça que je voulais pas de Ouais. forme de plan d'études. J'étais sûr que ça nous emmerdait, cette truc-là. Mais demandez au secrétariat. Ouais, Après, vous revenez vers. C'est Simon-Pierre Chevary-Cossette qui suit ça maintenant, qui est responsable du d'accord. bachelor. Et si le secrétaire vous trouve pas une solution, vous revenez vers Simon-Pierre Ouais. Chevary-Cossette, qui trouvera on trouvera une façon de vous faire avoir des crédits qui manquent, quoi. Excellent. Ça va. Ouais. Dans le pire des cas, s'il n'y a rien qui marche dans ce que vous avez validé, on peut toujours vous demander une lecture complémentaire ou Ah comme ça, ouais. si ça passe pas, quoi. Alors, Bon, ok. voyez avec le secrétariat, parce que je sais qu'il y a des règles Ouais, alors d'équivalence, je vais et déjà aller, après, moi, ça retournez va. auprès du professeur Excellent. Chevary Cossette. Navré de ne pas pouvoir vous répondre plus précisément. Oui, dites-le. J'ai reçu ton mail, mais il était vide. C'était quoi que vous me demandiez?
l'allemand et Nietzsche. Est-ce que montrer quelque chose du coup, c'est du langage? Je voulais demander parce que j'ai le grec cet après-midi. Oui. Et du coup, je ne pourrais pas venir tous les semaines. Ah oui, mais c'était vite, mon mec. Qu'est-ce qui se passe avec mon truc? Moi, j'ai des problèmes d'ordinateur. Non, parce qu'il n'était pas vide. Donc, je vous ai dit, Nietzsche, vous êtes la bienvenue. C'est juste, ce qui m'embête, c'est que l'enregistrement des séminaires, c'est toujours un peu pourri, quoi. Parce que, vous voyez, c'est plein de discussions. Puis, moi, je suis devant mon ordi. Là, ça va parce que je suis devant la caméra. Et puis, mais dans les séminaires, on n'arrive jamais trop à... Ouais, c'est plus dur pour vous à suivre quoi, après. Mais c'est pas grave, je vais le faire quand même. C'est juste que ce sera un peu. Ce sera plus pénible à regarder. Mais en principe, pour moi, c'est OK. Du moment que vous suivez bien la lecture à chaque fois, puis que vous posez chaque semaine des questions sur le forum, pour moi, ça va, ça c'est bon. Je vais essayer les premières semaines et si ça va pas du tout, bah, ouais. Je vais faites comme ça, c'est très bien. L'autre question, c'était que Monsieur Chevalier, que cette manière, je peux m'inscrire dans le pilier d'allemand. Ouais. Parce que ça ne sert pas à grand chose de faire le ouais. BA en allemand. Et vous aviez trouvé un autre cours en allemand. Oui, j'ai trouvé un cours. Ouais. Ah oui, puis vous me demandez si moi je pouvais débloquer. Alors moi, je ne pouvais rien débloquer du tout. Moi, je n'ai pas ce pouvoir. Mais par contre, si le professeur Chevalier-Cossès est d'accord, vous allez voir le secrétariat, vous leur écrivez, vous leur dites j'ai l'accord du professeur pour suivre ce cours plus que ça parce que je suis déjà germanophone. Je voudrais valider ces 3 crédits. Est-ce que vous pouvez me dire comment faire? Et puis eux, peut-être, ils réécriront un mail à Sylvie. Ça va? Bien. J'ai encore une question. Oui. Du coup, si je fais le séminaire de Nietzsche, j'aurai 17 points, 17 crédits au séminaire, mais j'ai besoin de 10 ans parce que j'ai fait des séminaires quand ça valait encore 4 ans. Et du coup, je voulais demander s'il y a une possibilité de faire quelque chose qui est moins qu'un séminaire. On peut faire ça. On peut faire une lecture complémentaire ou quelque chose comme ça. Il vous manque un crédit, c'est ça? C'est chiant, c'est tout le crédit. Oui, on doit pouvoir faire une lecture complémentaire quelque part. Ouais, un résumé d'un petit livre ou quelque chose comme ça, selon votre intérêt. Mais lecture complémentaire, je crois que c'est deux crédits, je crois, les bachelors. Deux. Mais vous, Clara, vous êtes en... C'est les lectures complémentaires de bachelor. Ouais, c'est 3 crédits. Dans les 2 pour avoir 6 crédits. Ouais. Ou alors peut-être si vous suivez un séminaire, que ce soit Nietzsche ou un autre, on peut faire un travail supplémentaire dans le cadre d'un séminaire pour avoir le crayon. Ça, c'est peut-être le plus simple. À ce moment-là, vous dites le séminaire, vous voulez faire ça, que ce soit Nietzsche, que ce soit n'importe quel autre séminaire. Et puis là, on s'arrange pour vous donner un petit truc en plus qui représente à peu près un crédit. Non, non, ça marche. Quand même, Lisa. Oui, bonjour. Non, c'est pas du tout dans vos rapports parce que non, avec non, vous êtes quoi avec ça? Vous êtes la côté de Lucie. Du coup, on restera 3 crédits chez les vidéos. Après ça, vous savez déjà. Parce qu'on vous a dit. Je vais bien s'asseoir sur alors, je ne sais pas si on aura un deuxième, mais si on n'a pas de deuxième, est-ce qu'on aura des épargnes du supplémentaire ce semestre? Oui, ça me semble vous être dans je suis dedans et c'est réglé. Ça me semble très bien. Donc, ce qui serait mieux peut-être, bah, je peux vous donner quelque chose qui serait bien pour vous, dont on va beaucoup parler, puis là, vous serez un ange comme ça, bien prête pour le master, c'est le Kripke, Naming and Necessity. Ça, c'est bien, c'est bien. C'est 6 conférences qui sont assez dures, mais vous arriverez à rappeler les choses importantes. Et la pièce, voilà. Ouais, franchement, pourquoi pas, comme ça, je vous dis, c'est réglé. Et puis, je ne sais pas, je me sens que le langage est derrière. Ça me semble être.
Tu peux pas raguer, tu vois. Non, mais moi, c'est pour le public. Ça marche comme ça. Merci beaucoup. Non, 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 excusez-moi, Mathieu. Bien. Alors, on va passer à la grammaire. Alors, je vais laisser tomber là. Et d'identité de prédication, c'est pas si crucial. Ah oui, c'est d'habitude, on avait les erreurs du jour ou les. Comme c'est la philo du langage, on va faire le mot du jour. Comme ça, on apprend un mot à chaque fois, c'est bien. Hein, c'est sibarite. Qui sait ce que ça veut dire, sibarite? Personne? Sibarite, ce dit d'une personne qui a une vie luxueuse et raffinée. Oh là, mais j'ai mangé la truc. Et qui recherche le plaisir dans la vie. Donc, c'est un synonyme de hédoniste avec le côté aimer les bonnes choses et les choses raffinées. Sibarite, c'était une ville antique du sud de l'Italie. Donc un sibarite, si vous êtes sibarite, c'est que vous aimez les bonnes et belles choses, que vous êtes un esthète. Bien, alors, syntaxe. Vous y êtes ? Alors, je vais commencer par une distinction importante qui remonte à la philosophie médiévale au moins, des termes qu'on trouve déjà chez Aristote, mais la distinction se cristallise à l'époque médiévale entre les catégorèmes et les syncatégorèmes. Alors, c'est des gros mots a priori, mais vous allez voir que ça va avoir une certaine utilité pour comprendre la grammaire du langage. Donc, qu'est-ce qu'on appelle un terme catégorématique ? Un terme catégorématique, c'est un terme ou un symbole qui a une signification par lui-même, ce qu'on appelle un symbole complet. D'accord ? On dit parfois aussi autosignifiant. Donc il y a certains termes, clairement tout seul, ils ne veulent pas dire grand-chose. Si vous prenez « non » ou « et », « et », tout seul, ça veut rien dire. D'accord ? Par contre, si vous dites « Julie » tout seul, ah, là, ça veut dire quelque chose. Si vous dites « Jean pleure », là aussi, c'est une expression qui veut dire quelque chose tout seul. Donc une phrase, typiquement, et là-dessus, il n'y a pas de débat, les phrases, ce sont des termes ou des expressions catégorématiques. D'accord. Qu'est-ce que c'est qu'une expression syncatégorématique ? C'est un terme ou un symbole ou une expression qui ne signifie rien par lui-même, mais qui doit être jointe à d'autres pour contribuer à la signification. Donc voici ce que dit Guillaume de Cam en 1323. Un syncatégorème ne signifie à proprement parler rien, mais lié à quelque chose d'autre, il peut signifier quelque chose ou représenter une ou plusieurs choses d'une manière déterminée ou exercer quelque autre fonction à propos d'un catégorème. Donc, l'idée ici, ceux qui acceptent cette distinction-là, c'est que dans tout langage, vous pouvez tracer une distinction entre des expressions qui ont une signification par elles-mêmes et d'autres expressions qui, pour signifier, ont besoin d'être adjointes à d'autres expressions, okay, qui toutes seules ne veulent rien dire. Un exemple de syncatégorème, c'est, je vous ai dit tout à l'heure, les connecteurs propositionnels et ou simplement un verbe conjugué. Si je vous dis « pleure », ça ne veut rien dire tout seul, d'accord ? Ça n'a pas de signification. Oui ? Ah oui, à l'exception de l'impératif, bien vu. Si je vous dis pleure avec un point d'exclamation, ça veut dire quelque chose. Alors, un verbe conjugué, juste le verbe, sans le sujet. En français, évidemment, parce qu'il y a différentes manières d'inclure le sujet dans la conjugaison, sinon. Alors, la distinction en elle-même, elle n'est pas. Il y a quelques discussions sur comment la tracer, mais en général, elle est admise. Il y a un peu plus de débats sur. Où est-ce qu'on trace exactement la distinction ? Si vous admettez la distinction, vous pouvez encore ne pas être d'accord sur qu'est-ce qui compte comme une expression catégorématique et qu'est-ce qui compte comme une expression syncatégorématique. Vous avez une première grande thèse, qui est celle d'Arnaud et Lancelot dans la grammaire de Port-Royal, reprise par Wittgenstein, qui sont que seules les phrases sont des catégorèmes. Seules les phrases, dans les langues, sont des entités qui signifient quelque chose par elles-mêmes. D'accord ?
Et vous avez une autre thèse que nous, on va reprendre ici, qui sont reprises par Husserl, Lesniewski, Gardis, qui dit qu'il y a deux catégorèmes, à savoir les phrases et les noms. Et nous, on va accepter ça, indépendamment de savoir si c'est... quelles sont les motivations pour cette thèse. Je vais vous en donner une toute petite dans un instant. Accepter que les phrases et les noms sont les deux notions de signifiantes de base, ça va nous permettre de définir une grande variété de catégories grammaticales. Donc, si vous dites « Julie », ça signifie quelque chose. Si vous dites « Julie court », ça signifie quelque chose. D'accord ? Donc ça, c'est la thèse duale au sujet des catégorèmes. Il y a deux types d'expressions catégorématiques. Oui ? Là, je me demandais ce que signifie une signification. Ce que signifie le mot une signification ? Ouais, alors, on va revenir là-dessus en détail quand on parlera de Frege. Ça, c'est une des grandes questions de savoir qu'est-ce que signifier veut dire ? Qu'est-ce que vouloir dire veut dire ? Est-ce que signifier, c'est vouloir dire ? Est-ce que signifier, c'est des entités abstraites, comme le pense Frege ? Est-ce que signifier, c'est juste des entités dans le monde, comme vont le penser des personnes plus nominalistes, etc. Hein ? Donc, c'est une forme de sujet en arrière-plan ici. Mais prenez juste pour l'instant une compréhension pré-théorique de signifier. Signifier, c'est vouloir dire. Il y a des expressions qui veulent dire quelque chose par elles-mêmes, qui ont un sens par elles-mêmes, et d'autres expressions qui, toutes seules, on ne voit pas du tout ce que ça peut vouloir dire. Et on fait l'hypothèse qu'il y a deux expressions, deux types d'expressions qui ont un sens par elles-mêmes, c'est les noms et les phrases. Et la manière dont Husserl et Gardis présentent ça, c'est en disant que il y a deux grands types de choses qu'on peut faire pour, disent-ils, indiquer quelque chose à autrui. Ça, c'est l'expression générale. Deux manières d'indiquer quelque chose à autrui. Vous pouvez nommer la chose en question, la désigner, la montrer du doigt. Okay. Dire, qu'est-ce qu'on mange ? Ça. Ou vous pouvez énoncer une phrase. Ça, c'est ce qu'ils appellent énoncer « il pleut ». Vous voyez que dans un cas, vous avez des noms, dans l'autre cas, vous avez des phrases. C'est une tentative de justification de l'idée qu'il y a deux cinq catégorèmes, les noms d'une part et les phrases de l'autre. Okay. Il y a deux catégorèmes, j'ai dit cinq catégorèmes, j'ai peur. Il y a deux catégorèmes, il y a deux expressions signifiantes de base. Les noms et les phrases. Alors, voici ce que dit Gardis. En dehors de la fonction de désignation remplie dans le langage par le nom et de la fonction d'énonciation tenue par ce qu'on appelle la proposition, on ne trouve guère d'autres actes au contenu proprement et entièrement indicatif, si bien qu'il semble légitime de conclure qu'avec ces deux sortes de termes, nous sommes bien en présence des deux seuls types connus d'expressions catégorématiques. Alors, pourquoi est-ce qu'on fait tout ça ? Pourquoi est-ce qu'on s'intéresse à... Est-ce qu'il y a deux types d'expressions signifiantes dans le langage ? Ce qui nous intéresse là, c'est que si vous admettez ça, vous allez pouvoir développer ce qu'on appelle une grammaire catégorielle qui va vous permettre de classer un grand nombre d'expressions linguistiques. Et c'est ce que je voudrais vous présenter maintenant. Qu'est-ce que c'est que la grammaire catégorielle ? Elle a été développée par un certain nombre de... par un logicien polonais, pour commencer, Adjukiewicz, puis Barilel et Jean-Louis Gardise un petit peu plus tard. L'idée de cette grammaire, je vous disais tout à l'heure, la grammaire qu'on apprend à l'école, elle est toute sale, on ne comprend pas bien. La grammaire catégorielle, c'est de dire, on va se baser uniquement sur deux types d'expressions de base, les phrases et les noms, pour définir tous les autres types d'expressions du langage. Ça, c'est l'ambition, au départ. Qu'est-ce que sont les autres types d'expressions ? C'est les prédicats, les connecteurs propositionnels, les adverbes, etc. On veut comprendre comment... On veut pouvoir définir ces autres formes d'expression. Et la grammaire catégorielle, elle fonctionne avec une notation qui est assez simple, mais il faut prendre le pli. Elle introduit trois termes. Le premier terme, c'est S pour une phrase. Ça vient de l'anglais, sentence. Okay. Donc S, ça veut dire une phrase. Le deuxième terme, c'est N pour les noms. Ça, ce sont nos deux expressions cinq catégorématiques. Et puis le troisième terme, et c'est là où il faut prendre le pli, c'est... Fais un blabla à partir d'un blabla. Qu'est-ce que ça veut dire cette histoire-là ? Ça veut dire, la barre oblique, elle dit que l'expression en question, elle va faire une expression du type de ce qu'il y a à gauche à partir des expressions de ce qu'il y a à droite.
Okay. Autrement dit, c'est ce qu'on appelle aussi une fonction. Vous mettez dans la boîte des trucs à droite, okay, et ça va vous produire une expression à gauche. Je vais vous montrer des exemples, ça sera plus simple à comprendre. La première chose qu'on peut définir à l'aide de la grammaire catégorielle, qui va être cruciale, c'est les prédicats. Ce sont les prédicats. Comment est-ce que vous allez symboliser un prédicat? De la manière que vous avez là, S slash N. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire « fait une phrase » à partir d'un nom. Okay. Donc, on lit, attention de la manière dont on lit ça. Un prédicat, c'est quelque chose qui fait une phrase. La phrase, c'est ce qui est marqué à gauche. À partir d'un nom, c'est ce qui est marqué à droite. Ça, plus précisément, c'est un prédicat monadique. Pourquoi est-ce qu'un prédicat monadique, ça fait une phrase à partir d'un nom? Ben, je vous donne quelques exemples, puis ça va vous apparaître. Voilà deux types de prédicats monadiques. Un verbe, d'or, point, et un adjectif prédicatif, et rouge. Vous voyez que ces deux phrases-là, ces deux expressions-là, pardon, pour les compléter, pour avoir une phrase, il faut leur brancher un nom dedans. D'accord ? Si vous mettez, vous pouvez mettre n'importe quel nom devant une phrase comme ça. C'est quand même génial, le langage. Vous pouvez mettre n'importe quel nom propre. Vous pouvez mettre Mathéo, Thomas, Flavien. Tout ça, ça marche, d'or. Mais vous pouvez mettre aussi des expressions nominales, des expressions divini. La plus jeune personne de cette salle, d'or. Ah, ça marche aussi. Vous pouvez mettre tous les noms que vous voulez, ça va vous faire une phrase. Donc, un prédicat, c'est quelque chose qui est défini, d'après la grammaire catégorielle, comme un type d'expression qui est en attente d'un nom pour faire une phrase, okay, qu'il faut compléter par un nom pour faire une phrase. Et c'est ce qu'on dit par ça, par cette S slash N. Okay. C'est quelque chose qui va faire une phrase à partir d'un nom. Oui. Donc, on devait définir des types de fonctions grammaticales, de catégories grammaticales. Okay. Je ne vais pas définir chaque prédicat avec ça. Par contre, je peux définir ce que c'est qu'un prédicat maintenant en utilisant juste les notions de phrase et de nom. Et je vais dire, qu'est-ce que c'est qu'un prédicat? C'est quelque chose qui forme une phrase à partir d'un nom. Oui, c'est une manière de définir différentes catégories grammaticales. Okay, et de bien distinguer qu'est-ce que c'est qu'un prédicat, de qu'est-ce que c'est qu'un adverbe, de qu'est-ce que c'est qu'un connecteur, etc. Hein? Ce qu'il faut arriver à bien lire, c'est ça. Au début, ça casse un peu la tête, puis quand on s'y fait, ça aide beaucoup à comprendre après. Hein? Un prédicat, c'est une expression qui est telle que vous y mettez un nom, ça fait une phrase. Okay? Pour l'instant, gardez juste ça en tête. Ça, c'est un prédicat monadique, parce qu'il faut mettre un seul nom. Est-ce que vous avez en tête des expressions de prédicats diadiques, par exemple? Oui. Est marié à, dans une situation de monogamie. Oui. Sinon, ça peut être triadique, canadique, etc. OK. Est marié à. Donc, est marié à, c'est quelque chose qui fait une phrase à partir de deux noms. OK. Paul est marié à Julie. D'accord. On a deux noms ici, Paul et Julie, et ça, c'est une phrase à partir de deux noms. D'accord. M et sous, etc. Prédicat triadique. Des exemples de prédicats triadiques. À trois places où il faut trois noms pour faire une phrase. Si, je suis sûr que vous en avez. Ouais. Non, sont des triplés. Non, alors, mais c'est intéressant. Là, c'est un prédicat monadique d'une collection, d'une pluralité. Et c'est pas la même chose, donc il faut bien distinguer un prédicat à trois places d'un prédicat monadique d'une pluralité de choses. Okay. Être nombreux, c'est un prédicat monadique. D'accord. Si vous dites que les pingouins sont nombreux, c'est un prédicat à une seule place, et il faut mettre un pluriel en tête de ça. Hein. Il ne faut pas dire le pingouin est nombreux. Mais on n'est pas en train de décrire une relation entre les différents pingouins. D'accord. C'est pas comme aimer ou ces choses-là. Donc un prédicat triadique à trois places. Est-ce que si on met de la sensibilité, ça marcherait? Par exemple, X est plus grand que Y, mais plus petit que Z. Oui, là, c'est un prédicat complexe que vous avez créé en sortant du chapeau comme ça, mais ça marche. Ouais.
est plus grand que, mais plus petit que. Voilà, c'est ça. Alger. Oui. Sont les parents d'eux. Mais tatatin et tatatin, ça revient un petit peu à l'exemple de Mathéo. C'est pas tout à fait un prédicat. C'est plutôt un prédicat qui prend un couple pour commencer, une pluralité, deux entités. Donc c'est un prédicat dyadique dont la première place est occupée par une pluralité de deux choses et dont la deuxième place est occupée par une seule chose. D'accord? Alors, je pensais pas en fait rentrer dans ces subtilités-là ici, hein, mais la question des pluriels, vous pouvez pas. Vous voyez bien que si vous dites les pingouins sont nombreux, vous n'êtes pas en train de dire qu'il y a une relation complexe entre les 18 000 pingouins et que c'est un prédicat de 18 000 adiques. Okay? En fait, vous dites juste toute cette collection de pingouins qu'elle est nombreuse. Et je pense que A et B sont les parents de C, ça marche pareil. A et B ensemble, ça constitue le premier relata de la relation être parent d'eux. Donc c'est plutôt une relation dyadique, je crois. Ouais. Tatata a offert à Tatata quelque chose. Bien. Bien. Alors, je ne sais pas pourquoi tatata tout d'un coup. Qui c'est qui a lancé le tatata? Donc donner, c'est très bien. A offert A. Mais donne A, c'est quelque chose qui est clairement. Hein, si vous donnez un objet à une troisième personne, vous avez besoin de trois éléments, puis vous avez des prédicats. Tétradiques, etc., etc. Alors ça, ce sont les prédicats. Okay? Donc juste avec notre petite théorie très économique, on a des phrases et des noms, on peut définir les prédicats, pas chaque prédicat, mais définir ce que c'est qu'un prédicat, et définir une certaine variété au sein des prédicats, le nombre de places dans chacun des prédicats. Mais vous allez voir qu'on peut faire beaucoup plus que ça. Donc, je vous donne un exemple ici. Donc, là, c'est les prédicats toujours. Vous avez Julie et Jolie. Comment vous analysez ça? Vous dites d'un côté, cette phrase, elle s'analyse en deux éléments. Vous avez d'un côté Julie, et puis de l'autre côté, vous avez le prédicat être et Jolie. Puis, qu'est-ce que c'est que le prédicat? C'est quelque chose qui fait une phrase à partir d'un nom, ici, à partir de ce nom-là. Hein? Si vous faites de la linguistique, vous avez. Certains d'entre vous font des études de linguistique, non? Oui, donc vous avez déjà vu ça en linguistique, je pense. Hein? Donc vous avez là, je vous présente un peu la version simple. Après, vous avez des phrases nominales, etc. Vous avez des distinctions plus subtiles que celles que nous on fait là. Mais moi, je vous présente l'origine de la chose chez les logiciens qui après s'est développée, comme je vous le disais tout à l'heure sur la pragmatique, pour s'appliquer à des phrases plus élaborées. Donc là, c'est un peu la colonne vertébrale de la théorie. Alors, on a les prédicats. Prédicat à deux places. Maintenant, Marie jalouse Julie. Alors là, on peut faire quelque chose d'un petit peu plus subtil pour que vous compreniez comment ça marche. Vous pouvez très bien dire, vous pouvez prendre cette expression, Marie, ça c'est un nom, et puis vous pouvez prendre jalouse Julie maintenant. Qu'est-ce que c'est jalouse Julie? C'est une expression complexe, mais vous pouvez vous demander, qu'est-ce que c'est cette expression complexe? Marie jalouse Julie, c'est un prédicat monadique, d'accord? Vous pouvez mettre n'importe quoi devant jalouse Julie. Okay. Puis cette expression-là, vous pouvez vous dire, ah mais jalouse Julie, c'est une expression complexe, je vais l'analyser entre deux expressions simples. Il y a jalouse d'un côté, puis il y a Julie de l'autre. Julie, c'est un nom. Et à ce moment-là, jalouse, vous avez un prédicat dyadique à deux places qui prend deux noms. D'accord? C'est juste pour vous dire que quand vous avez une phrase comme ça, vous pouvez très bien faire une étape d'analyse intermédiaire pour dire, ah ben ça, c'est simplement un prédicat monadique. C'est pas, donc voilà, ça vous permet de faire ça. Alors, on a les prédicats. Deuxième grande catégorie que vous autres amis de la logique connaissez bien, la logique propositionnelle, ce sont les opérateurs. Qu'est-ce que c'est un opérateur en logique pour ceux qui ont fait de la logique? Qu'est-ce qui fait un opérateur en logique? Qu'est-ce qu'on lui donne à manger puis qu'est-ce qu'il recrache? Dites-vous à chaque fois, c'est ça la question. C'est ce que c'est qu'une fonction en mathématiques. Hein, la notion de fonction, on y reviendra avec Frege, c'est vous donnez à une machine, une fonction c'est une machine. Vous lui donnez à manger plein de choses, il recrache un seul truc. Okay? Donc, un prédicat, c'est une machine. Vous lui donnez à manger un nom, il vous recrache une phrase. Qu'est-ce que c'est un opérateur? Qu'est-ce qu'on lui donne à manger et qu'est-ce qu'il recrache? Vous avez des exemples d'opérateurs? Comment c'est Patricia? Il fait des phrases avec des phrases, exactement. Hein? Un opérateur propositionnel, c'est quelque chose qui fait, c'est un type d'entité grammaticale qui fait des phrases à partir de phrases. Alors là encore, vous avez des opérateurs unaires, binaires, etc. L'opérateur unaire à une seule place, c'est un opérateur qui fait une phrase à partir
d'une autre phrase. Qu'est-ce que vous avez comme opérateur unaire en tête, comme ça? Ouais. Ah non, vous avez besoin de plus d'une phrase. Parce que si je dis Julie court et... Là, ça va pas. Ça, et ça va être un opérateur binaire qui va vous faire une phrase à partir de deux phrases. Ouais. Alors ça c'est pas une c'est pas une, un opérateur, c'est une phrase en entier ça. C'est le donc. Ah donc. Ouais. Ben là vous avez besoin de deux phrases avant. Je pense, je suis. Ouais. Je veux un opérateur qui fait une phrase à partir d'une seule phrase. Ouais. Bah non, en général une négation. La négation. Alors comment c'est la négation en langage ordinaire? Parce qu'on est habitué à notre petit signe en logique, mais on peut pas mettre non au début d'une phrase en français. Ouais. Il n'est pas vrai que, ou mieux peut-être, il n'est pas le cas que. Hein? Parce que vrai, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, vrai, c'est sans doute quelque chose qui vous nous pousse dans le métalangage, qui fait qu'on parle de la vérité d'une phrase. Parce qu'il n'est pas le cas que, on parle toujours des faits. Il n'est pas le cas que, il est possible que, il faut que. Hein? Vous avez plein de ces phrases comme ça. C'est entre une question et puis une affirmation, mais est-ce que les parenthèses, du coup, c'est un opérateur unaire ou... Ah, les parenthèses. Bonne question. Les parenthèses, c'est pour... Non, les parenthèses, ça ne fait pas une nouvelle phrase à partir d'une phrase. Les parenthèses, c'est un outil de désambiguation. Désambiguisation, pardon. Donc non, ce n'est pas un opérateur. C'est plutôt une instruction qui consiste à dire traiter cette formule avant cette autre formule-là. Donc non, ce n'est pas un opérateur. Mais c'est une bonne question de savoir est-ce qu'on arrive à les classer les parenthèses dans les, avec la grammaire catégorielle. Elle est super la grammaire catégorielle, mais on va voir qu'il y a un certain nombre de difficultés sur certains points. Alors les parenthèses, je n'ai pas réfléchi à ça. Hein. Mais a priori, une parenthèse, elle ne fait pas une nouvelle phrase à partir d'une phrase. Hein. Elle dit juste traiter cette phrase avant de traiter la phrase plus grande ou plus petite ou peu importe. Hein. Bien, alors là, on a un opérateur unaire. Il y a des opérateurs... binaires, qu'on appelle des connecteurs propositionnels, si, alors, ou, et, comme vous disiez tout à l'heure, là, il faut deux phrases pour faire ça. Puis vous avez des opérateurs ternaires, hein, vous mettez et, puis là, faut rajouter encore. C'est bon? Bien, le chat est parti et les souris dansent. Eh bien là, voilà, vous avez d'un côté une phrase, le chat est parti, de l'autre côté les souris dansent, et au milieu vous avez « et ». Donc « et » c'est une machine géniale qui fait qu'on lui donne à manger deux phrases et il nous fait une seule phrase. D'accord? Ah, j'ai anticipé là. Attendez, ça je reviendrai sur la diapo précédente, j'ai inversé les diapos. Alors là vous avez une catégorie intéressante qui est, donc vous avez vu, on s'est intéressé au prédicat pour commencer, qui font des phrases à partir de « non ». Et on s'est intéressé ensuite aux opérateurs qui font des phrases à partir de phrases. Maintenant, vous avez une catégorie importante dans le langage d'expressions qui font des phrases à partir d'un côté de noms et de l'autre côté de phrases. Et ça, c'est ce qu'on appelle parfois des prénecteurs, qui est une contraction de prédicat et connecteur. Okay? Je vous donne donc la formule dans notre grammaire catégorielle, c'est ce que vous avez là. Ça fait une phrase à partir d'un nom et d'une phrase. Et les exemples les plus connus, c'est ce qu'on appelle les attitudes professionnelles. Julie croit que. Julie croit qu'il fait beau. Ici, vous mettez un nom, ok? Et ici, vous mettez une phrase. Il fait beau. D'accord? Donc, c'est des expressions qui vous font une phrase à partir d'un nom et d'une phrase. Il faut leur donner à manger un nom et une phrase pour produire une phrase. Donc, vous avez un prédicat, c'est une expression qui vous fait une phrase à partir d'un nom. Vous avez un connecteur, c'est une expression qui vous fait une phrase à partir d'une phrase. Et vous avez un prénecteur, c'est une expression qui vous fait une phrase à partir d'un nom et d'une phrase. D'accord? Explique que, interdit que, juge que, craint que, etc. etc. Donc je l'avais avant, pardon, j'ai inversé. Julie croit que, pardon, Marie croit que Julie ment. Marie c'est un nom, Julie ment c'est une phrase. et croit que, c'est une expression, hein, une phrase. À partir d'une phrase et d'un nom. Ça va pour tout le monde jusqu'ici? Ouais. Non, ça va pas. Ouais. Un peu plus gentiment.
pas l'impression d'être si méchant. Le, alors, le... Gardez. J'essaie de vous présenter ça pour que ça passe mieux. Moi, ce qui me parle le plus, c'est cette notion de machine. Okay, vous avez des machines qui sont de, qui n'ont rien d'absolument fascinant, mais c'est des machines linguistiques qui vous font des choses à partir d'autres choses. Okay, vous vous demandez qu'est-ce que vous mettez dans la machine, vous vous demandez qu'est-ce qui sort. Vous avez des machines qui sont telles que vous leur mettez des noms, il en sort des phrases. Ces machines-là, c'est quoi? C'est dans quoi qu'on met un nom, il sort une phrase? Ça, c'est des prédicats. Okay. Donc, vous avez d'autres machines qui sont telles que vous leur mettez des phrases, il en sort des phrases. Et c'est quoi? Les opérateurs, très bien. Et vous avez la troisième type de machine qu'on a vu là, qui sont telles que vous leur mettez des noms et des phrases, et il en sort des phrases. Et ça, ce sont les prénecteurs. D'accord? Donc, pensez juste à qu'est-ce que vous faites à partir de quoi. Hein, vous avez des machines qui vous assemblent les choses et qui vous produisent d'autres choses à l'arrivée. D'accord? Le dernier qu'on a vu, les prélecteurs, c'est ce que vous avez là. Prenez, on s'intéresse à l'expression « quoique ». Qu'est-ce qu'il faut pour faire une phrase à partir de l'expression « quoique » okay. Il faut lui mettre d'un côté une autre phrase. « Quoique Julie ment, quoique Pierre dort, quoique tout ce que vous voulez, que le climat se réchauffe, tout ce que vous voulez, vous pouvez mettre n'importe quelle phrase derrière. Donc à droite, il faut mettre une phrase et à gauche, il faut mettre un nom. Ça peut être Marie, ça peut être Pierre, ça peut être le pape, ça peut être Donald Trump, ça peut être qui vous voulez. D'accord? Dans tous les cas, ça vous fera une phrase complète. D'accord? Donc, crois que ça appartient à cette catégorie d'expression qui fait des phrases à partir d'un nom et d'une autre phrase. Est-ce que ça va ou est-ce que ça ne va pas? J'arrive pas à retrouver une reformulation autre que ça. Vous arrivez? Ça va? Ok. Donc, pour l'instant, on s'est intéressé à comment on peut faire des phrases. On peut faire des phrases à partir de noms, on peut prédicats, on peut faire des phrases à partir d'autres phrases, ce sont les opérateurs, et on peut faire des phrases de manière mixte à partir de phrases et de noms, et ça c'est ce qu'on a appelé les prénecteurs avec ce terme un peu barbare. Ok? Et vous voyez que toutes ces expressions-là, elles sont définies de manière très simple, à l'aide de quoi? De nos deux expressions catégorématiques, les phrases et les noms. Hein? Tous ces types d'expressions grammaticales-là, elles sont définies à l'aide des phrases et des noms. Ok? Un prénecteur, c'est quelque chose qui fait une phrase à partir d'un nom et d'une phrase. Un prédicat, c'est quelque chose qui fait une phrase à partir d'un nom. Un connecteur, c'est quelque chose qui fait une phrase à partir d'une ou plusieurs phrases. Est-ce que ça va? Est-ce que vous avez des questions là? Ou est-ce que... Oui, Jean. Juste moi, je sais pas, juste tout ça, ça nous amène où sur le fait que c'est intéressant de vraiment avoir les noms et les phrases? Alors, ça... enfin, c'est possible de faire ça maintenant, mais je ne vois pas trop où ça nous mène. Ça nous mène déjà à avoir une grammaire propre. On arrive à bien comprendre les différentes fonctions. Donc, je pense qu'il y a un intérêt intrinsèque quand on essaye de comprendre l'intérêt des langues. Mais ça va avoir une importance cruciale quand on va faire de la sémantique, notamment, parce qu'on va s'intéresser à un certain nombre d'expressions nominales. Une grande question en sémantique, ça va être comment fonctionnent les noms, comment est-ce que les noms réfèrent. Et puis on va avoir cette grande catégorie d'expressions nominales au sein de laquelle on va devoir distinguer différentes choses. Dans la catégorie des expressions qui réfèrent, vous avez Jean, ça c'est un nom, ça attrape une personne. Mais vous avez aussi le seul agriculteur de cette salle, c'est aussi une expression qui réfère, ou qui attrape quelqu'un, et ça ne réfère pas de la même manière qu'un nom. Et ça va être une des grandes questions en sémantique, en philosophie de la référence nominale, de comprendre comment s'articulent ces deux choses-là. Est-ce que c'est deux manières de référer? Et pour comprendre, pour poser cette question-là, il faut qu'on puisse dire pourquoi les deux sont des noms. D'accord? Pourquoi les deux sont des noms? Ben là, avec notre grammaire catégorielle, on peut les contraster avec des prédicats. On peut dire, ah, dans la catégorie des expressions qui jouent ce rôle nominal, on va pouvoir distinguer les noms, ce qu'on va appeler les noms propres, à strictement parler, les gens, les descriptions définies, le seul agriculteur de cette salle. Ça va être des manières de tracer au sein des noms ces distinctions-là. Et du coup, on peut dire que c'est un peu une espèce de métalangage pour parler du langage? Comment ça s'est fait?
Oui, c'est clairement un métalangage parce qu'on parle des expressions, on catégorise les expressions linguistiques. Et quand vous voulez comprendre le langage, vous êtes obligé de savoir de quel type d'expression vous voulez parler. Quand on parle de vérité, typiquement, on va s'intéresser à la vérité des phrases. Les phrases, les noms ne peuvent pas être vrais ou faux. D'accord? Pareil, les noms ne peuvent pas être niés ou affirmés. Non-Jean, ça ne veut rien dire. Il n'est pas le cas que Jean, ça ne veut rien dire du tout. Les phrases peuvent être niées ou affirmées. Donc, ces distinctions-là vont de pair avec tout un tas de corollaires d'implications. Et ça permet aussi de désambiguiser. Je vais vous donner un exemple dans un instant. Un certain nombre de phrases, parce que vous avez parfois différentes lectures d'une même phrase, qui sont dues au fait qu'un même mot, selon l'interprétation, peut jouer une catégorie. Tomber dans une catégorie grammaticale plutôt qu'une autre. Donc ça a aussi une utilité dans la lecture de phrases. Voilà, j'espère que l'avenir vous convient. Alors pardon, petite parenthèse, je vois bien que le usage mention, je vous ai cassé la tête avec ça. Voilà, je me suis dit quoi? Je me suis dit, c'est le premier cours, ils sont enthousiastes, ils sont tous très reposés, je vais leur bourrer le crâne avec les trucs pénibles. Donc, usage mention, c'est un peu casse-tête, mais après, ça va nous servir tout le temps. Grammaire catégorielle, c'est aussi un peu casse-tête, mais vous allez voir que ça va nous servir tout le temps. Après, hein. Il y aura des questions avec des enjeux qui seront un peu plus tangibles, mais c'est des outils qu'on a intérêt à avoir en arrière-plan tout le long, parce que c'est vraiment des choses sur lesquelles on s'appuie tout le temps. Si vous me dites ça, moi je fais confiance. C'est pas trop. Faites confiance, ça va. Oui. Alors, parfait. Oui, Mathieu. Est-ce que ceux qui acceptent que les phrases comme catégorème ont aussi développé une grammaire catégorielle? Est-ce que ceux qui acceptent que les phrases comme catégorème ont aussi développé une grammaire catégorielle? Non, mais on ne voit pas trop comment, parce que qu'est-ce qu'ils pourraient faire? Ils pourraient faire les connecteurs, on fait des phrases à partir de phrases, mais ils ne peuvent rien faire d'autre, en fait. Ouais, donc, je vous ai dit, cette distinction catégorème, à mon avis, c'est un petit peu flou de savoir comment on définit une expression qui signifie quelque chose par elle-même, indépendamment des autres. C'est pas une question qui est complètement facile à trancher. Mais donc, je vous ai dit, on a intérêt à prendre les phrases et les noms, parce que si vous acceptez ça, vous avez cette grammaire catégorielle qui permet de définir un grand nombre de catégories. Hein. Donc là, on a déjà trois, et je vous en introduis encore trois autres de mémoire. Alors, les adverbes et les adjectifs attributifs. Vous savez qu'il y a deux types d'adjectifs. J'ai repris l'expression, comme on en parle en anglais, mais vous avez les adjectifs qu'on appelle prédicatifs, qui sont à la place de prédicat, comme dans Julie et Jolie. Et puis, vous avez les adjectifs qu'on appelle épithètes en français, que j'appelle ici attributifs, qui sont figures juste avant le nom. La jolie Julie dort. Okay. Alors ça, on va pouvoir définir le rôle de ces adjectifs-là grâce à notre grammaire catégorielle. Jusqu'ici, on s'est intéressé à un type d'expression dans la grammaire catégorielle qui sont des expressions qui font des phrases. Toutes les expressions qu'on a vues jusqu'à maintenant, prédicat, connecteur, prénecteur, et font des phrases. Elles font des phrases à partir de choses différentes, à partir de noms pour les prédicats, à partir de phrases pour les connecteurs, à partir de noms et de phrases pour les prénecteurs. Maintenant, on va s'intéresser à un type d'expression qui ne font pas des phrases, mais qui font des prédicats. Okay? Et c'est typiquement ce que fait un adverbe, et c'est ce que fait un adjectif attributif. Qu'est-ce que c'est qu'un adjectif attributif? Alors là, ouais, accrochez-vous un petit peu. C'est un adjectif qui fait un prédicat à partir d'un prédicat. Donc, qu'est-ce que c'est? Là, j'ai mis des parenthèses. Ce qui fait une phrase à partir d'un nom, c'est un prédicat. D'accord? Et là, qu'est-ce que dit cette expression-là? Elle dit, on a un type d'expression qui fait un prédicat à partir d'un prédicat. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que vous avez... J'ai un meilleur exemple que... Voilà, c'est ça que je veux. Grande fourmi, ok? Est une fourmi, c'est un prédicat. Est une grande fourmi, c'est un autre prédicat. Ok? Grande, ça va vous faire un prédicat à partir de... un autre prédicat, à partir de fourmi. Et vous avez la même chose pour les adverbes. Et là, c'est sans doute plus clair, ou plus immédiatement intuitif. Tranquillement, c'est quelque chose qui vous fait... un nouveau verbe à partir d'un verbe qui existe déjà. Un verbe, c'est un prédicat dans notre catégorisation. D'accord? Parce qu'avec un verbe, vous mettez des noms et vous faites une phrase. Donc, les verbes et les prédicats, ils tombent, enfin, les verbes et les adjectifs prédicatifs, ils tombent dans la même catégorie. Donc, dort, c'est un prédicat, et vous pouvez rajouter tranquillement pour faire un nouveau prédicat, dort tranquillement. D'accord? Donc, tranquillement, c'est quoi? C'est pas un nom,
Ce n'est pas une phrase, ce n'est pas un connecteur, ce n'est pas un opérateur. Qu'est-ce que ça fait tranquillement? C'est un adverbe. Et qu'est-ce qu'on entend par un adverbe? Moi, je ne comprenais rien quand la maîtresse elle me disait qu'est-ce que c'est qu'un adverbe. Un adverbe, ça modifie le verbe. Ça veut dire quoi exactement? Puis il y a plein d'adverbes, on ne voit pas trop en quoi il modifie le verbe. Dans la grammaire catégorielle, ce que la grammaire catégorielle vous dit, c'est qu'un adverbe, c'est quelque chose qui fait un nouveau prédicat à partir d'un prédicat, qui fait un nouveau verbe à partir d'un verbe. Okay? Vous aviez dort, maintenant vous avez dort tranquillement. Et c'est toujours un verbe. Ok? C'est un verbe que vous avez fait à partir d'un verbe que vous aviez déjà, au départ. Ça, vous pouvez le faire. Là, j'ai utilisé ici un prédicat monadique, dort, ou dort tranquillement, mais vous pouvez le faire avec des prédicats diadiques. Hein. Si vous avez M, vous pouvez faire un prédicat diadique à partir d'un autre prédicat diadique. Vous pouvez faire M passionnément à partir de M. D'accord ? Donc, passionnément, c'est un adverbe qui vous fait un prédicat à partir d'un autre prédicat. Okay? Donc, la grammaire catégorielle, ici, elle nous permet de dire qu'il y a des expressions qui forment des nouveaux prédicats, pas simplement des nouvelles phrases. Ouais. Alors, pas tous les adjectifs, mais c'est vrai que dans la grammaire catégorielle, et joli et d'or, on met tout ça ensemble. Pourquoi? Parce que ce sont des types d'expressions, vous avez raison, j'aurais dû insister plus là-dessus, ce sont des types d'expressions qui ont exactement la même structure, dans le sens où elles doivent être complétées par un nom pour faire une phrase. D'accord? Donc, ça aide à comprendre pourquoi on traite ces expressions ensemble. Alors, sur les adverbes, et ça répond... Oui, Mathéo. La phrase Julie et je lis, en fait, c'est pas qu'un adjectif, c'est un verbe plus qu'un adjectif. Ah, mais tout des, vous êtes libre de. Nous, on a considéré ce qu'on appelle un prédicat, c'est pas joli tout seul, c'est et joli. D'accord joli tout seul, là, ça va être une tâche aveugle de notre grammaire catégorielle. Pourquoi? Parce que joli tout seul, il y a des discussions infinies sur le rôle de « et » ici, ce qu'on appelle dans la philosophie aristotélicienne la copule. Joli tout seul, on ne sait pas trop ce que ça peut être. On voit bien que c'est le même mot qui arrive dans la jolie Julie et Julie ici. Mais l'idée des grammairiens catégoriels, c'est de dire que joli, ça doit toujours être attaché soit de cette manière-là, soit de cette manière-là. Vous ne pouvez pas avoir une théorie de joli, du mot joli, et lui assigner une catégorie grammaticale fixe, parce que ça va dépendre de la... Donc, vous avez un divorce entre les mots et leurs fonctions. Vous avez certains mots qui vont avoir différentes fonctions selon le contexte dans lequel ils vont apparaître dans la phrase. Alors, donc là, j'ai proposé les adverbes. Peut-être, j'espère que la lumière va jaillir dans votre esprit tout d'un coup avec cet exemple-là sur la désambiguisation de la phrase suivante. Parce que ça, vous devriez voir. Donc, on a les adverbes et puis on a les opérateurs propositionnels. Si vous dites Pierre est gravement malade, vous avez Pierre qui est un nom, vous avez malade et malade plutôt, j'aurais dû souligner le et aussi suite à votre question, et malade qui est un prédicat qui fait une phrase à partir d'un nom. Et puis, vous avez gravement. Gravement, ici, c'est clairement quelque chose qui fait un nouveau prédicat. Ça modifie malade, d'accord? Ça vous dit, il n'est pas simplement malade, il est gravement malade. D'accord? Donc, dans ce sens-là, c'est un adverbe. Quelque chose qui modifie, qui fait un prédicat à partir d'un prédicat. J'arrive tout de suite. Maintenant, prenez la phrase « Pierre est certainement malade ». Pierre est certainement malade, si vous regardez bien, certainement ça ne marche pas de la même façon. Pierre c'est toujours un nom, malade ou est malade c'est toujours un prédicat. Mais certainement ici, qu'est-ce que c'est à votre avis dans une phrase comme ça? Est-ce que c'est un adverbe? Est-ce que ça modifie malade? Est-ce que c'est une manière d'être malade, d'être certainement malade? Non, l'idée c'est que certainement ici c'est un opérateur. Vous auriez pu mettre certainement en début de phrase, d'accord? Vous auriez pu dire certainement Pierre est malade, d'accord? Donc le certainement, quand vous avez une phrase comme ça, c'est pas un adverbe, c'est pas quelque chose qui vous fait un nouveau prédicat. Vous n'avez pas différentes manières d'être malade, vous avez être malade ou être certainement malade, non.
Certainement, c'est quelque chose qui vous fait une phrase à partir d'une phrase, autrement dit, c'est un opérateur propositionnel. Okay, vous pouvez prendre n'importe quelle phrase et mettre certainement devant. Des fois, ça donnera des choses bizarres, mais certainement, ça fait une phrase à partir d'une phrase. Gravement, à l'inverse, ce n'est pas un opérateur propositionnel. Vous ne pouvez pas toujours le mettre en tête de phrase. Si vous dites gravement, Pierre est malade, ça ne marche pas. D'accord ? Donc, vous voyez bien qu'en dépit de la ressemblance superficielle entre ces deux phrases-là, et du fait que ces deux termes-là sont ce qu'on appelle dans la grammaire d'école des adverbes, ben vous voyez bien qu'il n'y en a qu'un qui vraiment forme un nouveau prédicat à partir d'un prédicat existant, c'est gravement, qui forme le prédicat gravement malade. Ce terme-là, il ne forme pas le prédicat être certainement malade, c'est un terme qui forme une nouvelle phrase. Donc même s'il se met avant l'adjectif, vous auriez pu le mettre ailleurs, c'est quelque chose qui fait une phrase à partir d'une phrase. Est-ce que vous voyez cette différence-là ? Si vous voyez cette différence-là, vous voyez exactement la différence entre un opérateur et un adverbe. Entre une expression qui forme des phrases à partir de phrases et une expression qui forme des prédicats à partir de prédicats. Former des phrases à partir de phrases, former des prédicats à partir de prédicats. Oui, Thomas. Donc, fondamentalement, si on se pose la question, est-ce que l'adverbe influence, par exemple, le fait d'être malade ou une manière de l'être ? Donc, pour cette question, la réponse est oui. Alors, c'est le cas de tout la précédente, c'est elle. On se demande s'il y a une influence de l'adverbe sur le prédicat. Ici, la réponse est oui. Oui, quand vous devez. Non, en fait, ça permet la distinction. Exactement. Mais ce qui est important pour nous ici, c'est de voir que cette distinction-là, vous pouvez la traduire comme une distinction entre appartenance à différentes catégories grammaticales. Ce n'est pas une ambiguïté dans ce que veut dire certainement ou ce que veut dire gravement, c'est qu'ils ont une fonction grammaticale distincte. Dans un cas, le certainement, il fait une nouvelle phrase, il modifie toute la phrase, tandis que dans ce cas-là, le gravement, il modifie simplement l'adjectif. D'accord ? Donc vous voyez que donc ça répond en partie à la question que vous disiez tout à l'heure, Jean, c'est que ça paraît un peu, je sais pas, écraser un moustique avec un éléphant, ce truc-là, on se dit, pourquoi toute cette artillerie pour ça ? Mais en fait, ça vous permet de diagnostiquer quand même un certain nombre d'ambiguïtés là-dessus, notamment sur des expressions adverbiales, là c'est l'exemple le plus saillant, mais il y en a d'autres qui peuvent avoir des rôles grammaticaux très distincts. Oui. Du coup, c'est dire qu'il y a des opérateurs propositionnels qui n'ont pas forcément une place précise dans la phrase. Exactement. Il va être autant au début qu'au milieu. Oui. Est-ce que c'est aussi pareil pour certains prédicats ou Alors, bonne question. Donc, pour les opérateurs propositionnels, il y a cette flexibilité-là. Peut-être même vous pouvez le mettre à la fin. Vous pouvez le mettre en apposition à la fin. Pierre est malade, certainement. Ça marche aussi. Il y a sans doute de la flexibilité dans d'autres expressions linguistiques, mais ça ça fait pas directement partie de la grammaire catégorielle. La grammaire catégorielle ne vous dit pas où mettre les expressions, hein, l'ordre des expressions. Vous pourriez avoir un langage qui inverse complètement l'ordre des expressions. Du moment que ce langage a toujours des prédicats et des noms et des phrases, la grammaire catégorielle, elle s'applique ici. Donc, ce n'est pas dépendant de la contingence d'un langage, ça. C'est ça qui fait que c'est une trouvaille assez intéressante aussi, c'est que vous pouvez l'appliquer dans tout un tas de langages différents. Et vous pouvez l'appliquer à la logique exactement de la même façon. Logique des prédicats, ça marche. Un prédicat, il est défini de la même façon. Un opérateur, il rentrera aussi là-dedans. Donc, il y a une grande variabilité des langages qui est permise par cette catégorisation-là. Et sans doute que dans différentes langues, il y a des prédicats qui peuvent apparaître à différents endroits. Peut-être même en français, vous avez peut-être des exemples en tête. On n'a pas l'impression de pouvoir toujours. Je crois qu'en français, il y a quand même une... Je pourrais demander aux linguistes, mais il me semble que le prédicat apparaît en général après le sujet systématiquement, non ? Vous pouvez chercher. Si vous trouvez des exemples de cas où le prédicat apparaît dans des endroits plus bizarres, mais donc ce n'est pas exclu par la théorie. Donc Pierre est certainement malade. En d'autres termes, c'est la même chose que de dire il est certain que Pierre est malade. Bon, il me reste une minute, je vous en fais un dernier. Ouais, je sais, je vous assomme. Comme ça, on passe à la sémantique la semaine prochaine. Et ça me permet de boucler avec l'usage et la mention. Dans certains cas, vous pouvez faire un nom avec une phrase.
Jusqu'à maintenant, on a fait quoi? On a fait des phrases avec des phrases, on a fait des prédicats avec des prédicats. Maintenant, je vous propose qu'on dernière chose aujourd'hui, on va faire un nom avec une phrase. Comment vous faites pour faire un nom avec une phrase? Oui. Alors, nous, on a fait l'hypothèse qu'il y avait deux catégories. Toute la grammaire catégorielle repose sur l'idée qu'il y a deux catégories, les noms et les phrases. Si c'est ça, sinon, vous pouvez rien définir d'autre que des opérateurs. Donc, mais là, on veut savoir, on peut faire un nom à partir d'une phrase. Hein, ça ne veut pas dire qu'on peut... C'est pas parce qu'on prend les noms au départ qu'on ne peut pas faire des noms. Hein. Quelles expressions vous permettent de faire des noms à partir d'une phrase, Mathéo? Par exemple, si je dis l'endroit où on a été fixé est très joli. L'endroit où, ça c'est bien. Mais vous avez encore mieux qu'on a vu tout à l'heure. Ouais. Les guillemets. Les guillemets, oui. Lisa, c'était ça aussi. Hein? Les guillemets, on a vu, ça vous permet de faire un nom à partir d'une phrase. Donc, c'est quoi l'expression qui fait un nom à partir d'une phrase? Ben, c'est ça, fait un nom à partir d'une phrase. Le fait que, typiquement, vous mettez le fait que devant n'importe quelle phrase, ça vous fait une expression nominale. Hein? Il pleut, le fait qu'il pleuve. Bon, en français, il faut modifier, il y a un problème de subjonctif, mais en général, on va mixer la même expression. Vous mettez les guillemets autour d'une phrase. La personne qui, blablabla, ça vous permet de faire un nom à partir d'une phrase. Et le nom que vous avez ainsi formé, vous pouvez après le brancher dans n'importe quel prédicat pour faire une nouvelle phrase. D'accord? Vous trouverez des exemples tout seul parce que je vois que votre... Attention, c'est moustille. C'est moustille, non, c'est pas le bon terme. La mienne aussi se réduit. Ça ne me vient pas. Très bien. Alors, on a fini pour la partie assommante. Donc, à partir de la semaine prochaine, on s'intéresse à la sémantique, à la vérité et à Frege. Et on commencera par la vérité, je crois. Donc, on s'intéressera aux différentes théories de la vérité. Je vous souhaite une très bonne semaine et je me réjouis de vous retrouver mardi prochain.